Putain, le bibi. Il marche plus. Ça a commencé, Aïe, les aïe, amis! j'ai dû. Ça Ça commence, a commencé, ça ça commence. commence. Non, mais attends, mais c'est un Peut-être que je casse pour mette CNN. F5 là, peut-être que je fasse F5. C'est parti, mesdames et messieurs. Je sais pas où mettre la cam. Oh, je la bouge. C'est bien, En bas à c'est droite. bien. Non, mais c'est Ah non, bien bah ici, non, là où ouais, elle est, c'est bon. Kamel. Ouais, elle est bien. Ah oui, c'est vrai, parce que moi j'avais TF tactique, c'est pour ça. Ça se voit, il stresse, il clique sur toutes les icônes et tout, il en peut plus. Pas de Il est en train de stress. son APM, il est en train de son APM. Faire un jeu de papy, ça sert à rien. De toute façon, imaginez. Oh là là, Ah, mais ça c'est sent pas fort, ça, c'est pas trop fort, ça. trop fort. Ok, c'est quoi comme galaxie ça, les gars? C'est La phone, La phone, ouais, ça veut Galaxy dire. phone, c'est-à-dire que vous allez Uber avoir. phone Il y aura et une phone. Attends, attendez, un Un mec qui slot en explique, les plus. gars. Un slot en plus. Fatih, toi, t'es banni des explications. Ok, comment? Là, Une il faut. explication? C'est quoi les meilleurs items au début? Parce que là, il voulait la BF et il y avait personne dessus. Ok, je vais t'expliquer. En gros, c'est la Galaxy Phone qui te donne une phone, donc une force de la nature qui te permet d'avoir un perso en plus au 3-1. Donc c'est après le premier PVE, tu vois. Ok. Ça veut dire il y Et a 5 secondes avant. en gros, sur cette galaxie, les cyber, c'est très fort parce que tu as juste à mettre un item dessus. Et Ok, un ouais, c'est item qui vrai. sert à rien de base, bah là, du coup, ça sert. Ok, attends, faut que je mette le son. Ah, il a pas mis le son du jeu? L'impression que non. J'ai Mais l'impression s'il que préfère non. jouer sans son, Ouais, ouais, ouais. je pense que c'est sur Je OBS, il pense n'a que pas c'est, ouais, tué. c'est ça, c'est sur OBS, c'est pas mis, genre. Peut-être. Ah ouais, putain. C'est pas grave, Après, je pense. la game, je... Vas-y, 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 pas grave, pas grave. Ok, Oh, la bah là du Luciane, coup là il a eu incroyable. Lucian. Oh là Lucian là. c'est cyber, c'est ça? C'est C'est ça. En gros la particularité des cyber c'est quand vous en avez 3 ou 6, à chaque fois que vous leur donnez un item, ça vous donne plus de dégâts et plus d'HP, c'est ça? C'est ça. Ça plus de Ok. dégâts, plus Ouais. d'HP. Ça booste en gros. Même un item de merde, tu le mets sur un cyber, il devient plus fort. Et là il a eu Fiora qui est cyber. Là il y a 3 Xayah. Est-ce que ça peut être intéressant de l'avoir level 2 ou Bah pas ça du dépend tout? ses items en fait. Ok, Si du coup maintenant il il a attend. des items parfaits pour Xayah, peut-être qu'il va vendre son Lucian et acheter les Ouais, Xayah. c'est ça. Ok. Il y a des golds qui servent à rien, tu vois, genre. Ok, là il scoute un peu, même si au début, bah c'est pas très représentatif. Voilà, il bloque tout le monde, ça c'est mon Bah, il scoute gars. juste pour voir les items. Ouais. Sur quoi les gens peuvent potentiellement partir. Et Ouais, lui, s'il y a une il va chercher dinguerie. à aller dans un truc où Ok, il est tout seul. c'est parfait ça. Ok, Double double BF. BF. Oh, l'armure, ça Pas fait GA, mort. ça, je connais. Ah ouais, c'est ça, c'est GA. C'est Il a ça. acheté la Xayah, mais il va pas l'acheter Ok. level 2, du coup. Ouh, deux Fura? Oh, c'est pas mal. Fura niveau 2. Ça veut dire là, Ouais, il lui faut encore il un a un aussi cyber, je là. crois. Ouais, Ouais, genre Cléona. Léonard. Là, il lui faut encore un cyber, mais il a le PVE pour attendre. Du coup, il va avoir un rôle gratuit, c'est ça, du coup, avec le truc. Hop, Nautilus, je sais pas ce que PVE, c'est. ouais. Naut Nautilus, c'est astronaute et Vanguard, comme Ouais. Poppy, tu vois. Ouais. Mais juste que Nautilus, ça donne du CC, donc c'est plus intéressant que Poppy. Ouais, Poppy, c'est PVE, juste ouais. ce shield, quoi. Ouais, voilà. Ouais, tank. Ok. Et là, avec ce stuff, il peut aussi partir sur un Ok, un deuxième Shaco. Oh, deuxième wow. chien. Ouais, sur Sur, chaque il aussi. peut partir sur Shaco aussi, ici. Et Z, c'est bien? Parce qu'il a eu deux Z. Ah non, il l'a vendu. Il a vendu un des Z, c'est bien, mais pas avec les persos qu'il Ok, a. ouais, c'est pas En pour fait, sa il a une compo, c'est Fiora nul, 2, ok. donc il va pas trop. Il a pas de cyber, c'est un peu relou. Ouais, parce que du coup, il peut pas snowball avec. Après, Ah, il là. slam Ouais, directement c'est son ça, c'est item, hein. slam, c'est ça. Ça veut dire qu'il a Ouais, c'est direct mis ça. son item. C'est ça. Ouais, il aime bien le. Et Comment ben ça, là, il il peut est rentrer là. mort de. Pour Le avoir gameplay. Vanguard, parce que dans tout. Après, Ouais, Fura 2, c'est. gameplay, non, c'est ça. Ouais, je sais Bah, pas si l'âme c'est mieux. funeste en français, C'est donc. Draktar. Deathblade, oui, Non, Deathblade. ouais, Deathblade, ouais. Là, pourquoi? Là, carrément, il a enlevé Fura 2. Vanguard, c'est plus fort qu'un personnage niveau 2? Ça peut l'être, ça dépend ce qu'il affronte Ok. Bah là, et en ça l'est, là. fait l'avantage ici c'est que Son la micro, il Fiora elle coupe. donnait rien tu vois là Ah ouais, avec ok. Vanguard t'es vraiment bien et Mordu c'est un Même la bon Shulker perso s'il win pas là. plus ça lui permet en fait de perdre mais de très peu tu vois si Ok, en ou plus en il tout est cas de contre le prendre le moins meilleur d'HP joueur du possible monde. c'est ça Il est contre Mitch Match mais Match Soc. lui là il savait qu'il allait sur Superb tu vois. Non, oh, non c'est fini, c'est fini. Je Je pense qu'il rigole, voulait perdre. Hein. y a rien, y a rien. Ok. L'armure en early c'est fine. Ok. Et bah là il a tué un deuxième Nautilus, un deuxième Mordekaiser. Ouais, la Graves. Ah, s'il va push et rentrer Graves pour avoir Graves, Blaster. je pense. Hein. Graves il donne Blaster Ouais, aussi, avec Lucian. Atomizer. Enfin, je Ouais. m'en souviens. Comme ça, Non, il il pêche pas, il tire plus pêche pas. souvent, quoi. Ok. Il veut pas push. Du coup, là, il va jouer la défaite, c'est ça Ouais, encore? c'est Ouais, ça. ça. Ouais. Là, de Il toute va façon, il peut chercher pas les gagner cyber. avec ça. En fait, s'il avait eu un troisième cyber, il aurait joué la win pour Moi. snowball et gagner des golds. Mais là, du coup, en fait, le principe Ah, de. il a Ah! push. Il a push. Ok. Du coup, il a Vanguard et Atomizer. En gros, le Donc du coup, principe il a de ce push jeu, avec c'est plus Xayah. vous enchaînez les wins, Wow. plus vous gagnez de gold. Et il y a aussi un bonus quand vous perdez. Ça veut dire qu'il faut enchaîner les lose. Mais dans tous les cas, faut jamais faire une win, une lose, une win, une lose. Sinon, vous n'avez pas de bonus de gold. Et du coup, bah, C'est vous vraiment perdez le pire. Là, il est énormément contre un mec solide, mais il y en a qui économiquement. le battent parce qu'il a Vanguard. Après, là, il y a Darius qui Ah, dunk c'est partout. bien. C'est bon, c'est game. Ok, c'est parfait. Dommage Là, qu'il c'est le mieux dunk qu'il pas. perde. Là, c'est mieux qu'il Ouais. perde. Dommage qu'il a pas tué le Darius, Ouais, c'est mais. dommage.
Quand il a 3 level 2 quand même, le mec en face, bon, on va pas dire... On va pas parler. On va pas donner, dire les arguments, mais... Vous savez quoi. Vous savez quoi, pourquoi il a ça. De la chatte. Ouais, Darius égale interdit en compète. Ouais, c'est vrai. Je sais pas trop ce qui est interdit en compète sur TFT. Sur LoL, je m'y connais bien, mais sur TFT, je sais pas trop. Ok, du coup, là, il veut jouer pirate. Darius. Pirate, c'est pour avoir des gold en plus, c'est ça. Ouais. Changer. Ouais, ok, c'est ouais, ça, c'est ça. Ça veut dire à chaque fois qu'un pirate va faire un kill, il y a un pourcentage de chance que ça drop une pièce. Exactement. Et donc que ça le fasse boom économiquement. Là, il est déjà à 2 défaites d'affilée, de toute façon, c'est normal. Ça risque d'être compliqué en vrai. Ouais, voilà, donc il va mettre Vanguard. Après, le truc, c'est qu'au début, là, vu qu'il est dans cette situation, faut perdre, mais faut pas perdre de beaucoup d'HP, c'est ça. Mm-hmm. Ouais, après, là, ça, j'ai l'impression qu'il joue contre un loser aussi, du coup, je crois qu'il va gagner. Là, je sais pas. Je pense qu'il va gagner. Ouais. Du coup, c'est pas optimal pour lui en termes d'économie. Franchement, ça se tape, hein, parce qu'il y a le CC Drakan et tout. Ah ouais, c'est vrai qu'il a mis triple CC. Après, là, Lucian, avec son item, dès qu'il va faire un kill, il va faire trop mal. Et avec Initiateur, il tente. Ah, voilà, il fait trop mal, là. Mais là, c'est pas trop mal non plus de gagner, parce que tu peux enchaîner les wins derrière. Ouais, c'est et ça. Sinon, il a pré-push. En fait, l'intérêt de pré-push, c'est qu'après, il aura d'un meilleur rôle, tu vois. Okay. En fait, quoi qu'il arrive, il a les push et il avait pas mais dans tous les cas, il est bien aussi pour le. Comment il s'appelle? Le carousel. Ouais. Il faut qu'il gagne, en fait. Là, il faut qu'il gagne. Il y a 50-50, il est en face de qui? Ah, bah. Ouais, là, il va piquer en deuxième, du coup, parce qu'il est en face du mec oh, avec lui. Ah, mais là, il y a que des véhicules, le carousel, quoi. Ça pue, mais en cyber, ça va. Ok. Darius, là, non c'est pour faire quoi comme item ça fait... va, il a eu Cassiope. Il a pris Cassiope parce qu'en fait, il peut aussi partir partir encore Astro Sniper. Et c'est pas la compo qu'il préfère, ça Je crois que c'est une des compos qu'il préfère. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as, je connais mes joueurs. Merci, Sadi Nico. Merci, mon gars. C'est mal en parti. Fait, pour l'instant, là, ça peut être un holder, pour l'instant, il n'y a rien. Tu vas pas savoir si c'est bien ou mal parti. C'est le tout début de la game. Bon, forcément, s'il avait touché son cyber, ça aurait été game carrément, mais... Pour l'instant, on peut pas savoir ce qui va se passer exactement. Normalement, il va partir cyber. Ah bah voilà, non, il est là. La Leona. Fiora. Du coup, là, il est obligé de rentrer Fiora, c'est ça? À la place de Graves? Non, non, non parce Blaster, c'est vraiment bonus, fort. Bah, ouais. Okay. Si c'est Lucian, bah, ça lui donne un bonus. Okay. Donc là, regardez, comme on a dit, il va mettre un item sur Leona et Fiora pour les booster. Regardez, leur barre d'HP va augmenter. Bah, là, celle de Leona, elle a augmenté avec une baguette alors que ça donne pas d'HP. Je crois que c'est pas sûr parce qu'il va peut-être lui mettre juste la faune juste après, tu vois. Ouais, c'est ça. Ah, elle a pas encore apparu ? La faune, elle apparaît après le premier. Ah, ok. Je crois que c'était après le premier carrousel. Ok, c'est pour ça qu'il l'a pas mis. Voilà, il va se faire. Il a l'impression qu'il se fait déchirer. Malphite, encore toi. Hein. Rebelle. Sun, il a pris le focus là. Ouais, bang. Ok, tu vois mon Malphite. Là, du coup, c'est mauvais parce qu'il a perdu full HP. Il a pas pu, il a fait une win, une lose, c'est le pire scénario possible économiquement. Du coup, Carousel ouf, aussi, hein. Il était pour. Ouais. Oh, il y a Gnar. Après, je crois qu'il joue pas du tout cette compo. Gnar, si, peu. Ça peut rentrer justement. Après, ok, là, il a S, c'est bien aussi parce que c'est mieux que Graves en blaster, ouais, c'est ça. C'est un blaster, mais qui enlève la mana à beaucoup de personnes, donc c'est cool. Ok, ouais, c'est. C'est un chrono quand t'auras chaîne aussi. Le micro de côté coupe beaucoup. Ouais, rapproche-toi. Ah ouais, attends, je me rapproche, attends. C'est la détection. Ça se voit, il est affalé sur sa chaise. Non, ça va, ouais. Ah, le menteur, on a entendu et tout, frère. Je me suis juste rapproché. Il a zéqué, lui. Ok. Là, j'ai l'impression. Après, lui, je crois que j'ai l'impression qu'il va le battre, lui. Là, il va le battre. Wow, c'est broken, Shane. Regardez comment c'est broken. Ça devrait être ban. Hein. Après, normalement, c'est win. Il a enlevé toute la mana à mort de Kaiser. Attention, Caitlyn, non. Tranquille, c'est fait exprès. Je préfère qu'il lose. Comme ça, il est bien économiquement. Parce que là, en fait, dans tous les cas, il peut pas comeback dans les combats, j'ai l'impression. Mm. Il a trop de retard. Ouais. Tout va dépendre du PvE. C'est maintenant qu'il faut avoir de la chatte. C'est maintenant. Fiora, en fait, déjà deux. Il va savoir où il va. Ouais, sur quoi il va jouer, quoi. Ouais, je pense. En plus, ouais. Il est bien parce qu'il a 20 gold. Et tout le monde a 30. Lui, il joue cyber, il a Irelia et tout. Ouais, il a déjà. Oh, Irelia à ce stade-là, c'est grave par contre. Y'a un mec qui joue cyber qui a Irelia. Ouais, regarde, il a. Bah, il a Irelia, ah, Lucian ouais. et Leona. Et dans son board, il a Fiora, du coup, il est trop bien. Et je crois que S, c'est dans la compo. Enfin, à l'ancienne, c'était en dans plus, la compo cyber. Ouais. Du coup, lui, il va devoir changer de compo là. Ou est-ce qu'il non, peut, est-ce il peut quand même partir. Tu peux faire à deux. Ok. Ok, une BF. Pour Vayne. Oh, c'est pas fou ce cas, c'est pas fou ce PvE. Il y avait qu'une BF, ouais, c'est la Hesse.
Et Wukong. Ok, là, il y a le truc qui tombe, du coup. La fun en plus. Il y a Vi. Ça, ça fait chrononote avec le Ez. Du coup, tout le monde a plus d'attaque speed. Ouais. Ok. Il prend pas la vie, là. Non, c'est trop d'économie, je crois. Bah, je pense qu'il va l'acheter, hein, s'il joue... Mais pourquoi il a acheté Caitlyn? Là, je crois qu'il peut gagner maintenant. S'il y a une Vayne, parce que Vayne, elle va remplacer Lucian. Ah, ok, ok, ok. Vayne, c'est une sniper. Ah, pour sniper, ouais, ok, ok. Ah, je savais pas que c'était sniper Vayne. J'ai arrêté de jouer quand il y avait Vayne. Avant. Ok. Là, je crois qu'il va gagner. Il y a que des niveaux en face. Après, ouais. Il y a quand même. Il peut gagner ou il va même tout le monde. Vraiment, il gagne. Bah, là, il gagne. Je connais trop bien le jeu, frère. Je connais trop bien le jeu. C'est parfait. C'est bien ça. Là, il a eu un bon rôle, là, en vrai. Ok, let's go! Let's go, bien. Let's go. Merci LumiDreams. Là, maintenant, par contre, faut essayer d'enchaîner les wins, quoi. Faut se remettre bien avant que ce soit critique, parce qu'il a encore 74 HP, c'est ça, donc il est bien. Au niveau de la game en général, il y a plein de mecs qui ont perdu beaucoup, en vrai. Hein. Adastras, Looper et Panda, là, ils ont pas l'air d'être super bien. Voilà. Du coup, il passe niveau Chaine. 6. Mort de 2, Chaine, c'est gay. Vayne, parfait. Léona. Il est rentré 4. Ouais, là il a 4 Vanguard, du coup il va tanker à la mort là, c'est ça? Le truc c'est qu'il y a Lucian 1 quoi, donc je pense Vayne reste toujours meilleur. Non, je pense. Ah oui, non. Après Vayne, il lui faut pas tueur de géant? C'est quoi? Il lui faut l'item tueur de géant, c'est ça? James Lair? Ouais. Mais ce item là, il est faible en vrai. Il joue contre le mec, c'est parfait parce qu'il a 4 Vanguard là. Ouais, du coup il va tanker tous ses damages, il n'y a pas de damage magique en face à part le Ez. Il a pas de la suspeur le mec en face. Yeah. Et il mord de deux. Après, il a deux Giant Slayer en face, lui. Il est trop bien, lui, en face. Ouais, mais Giant Slayer, en fait, c'est fort contre de l'HP, mais pas contre de l'armor. Ouais, non, mais je veux dire dans sa game, du coup, vu qu'il a ça, ouais. Peut-être, ouais. Du coup, déjà, lui, il avait jamais perdu. Là, il se fait fesser. Ça fait 2 wins d'affilée. Là, il faut chain win et se mettre bien. En vrai, il s'est mis super bien, là, en 2 rounds. C'est un truc de ouf. Quand il a touché mort de 2 et tout, là, ce round, il était incroyable. Et en plus, il arrive à gérer économiquement parce qu'il se remet à 10 gold directement. Du coup, en fait, il y a un bonus ici dans ce jeu. Il y a un bonus au niveau des golds. À chaque fois que vous passez un palier de 10, vous gagnez un gold de plus. C'est bien ça. Genre 10 gold, tu gagnes un gold de plus. 20 gold, tu gagnes 2 gold de plus. Du coup, faut toujours. Ouais, voilà, jusqu'à 50. Du coup, faut toujours se rapprocher de la dizaine. Et quand vous gagnez un combat, ça vous donne un gold. Du coup, lui, il a fait tout son push. Il a setup tous ses champions. Et il avait 9 gold. Il était quasiment assuré de gagner avec sa compo. Du coup, il est passé à 10 et c'est de l'économie, voilà. Pour vous montrer que c'est pas juste, il met des persos et ça se tape et bonne chance, quoi. Il y a de la gestion de ouf, quoi. Fils 2, c'est grave. J'ai pas vu, il y avait un mec qui... Ouais, il y a un mec qui a Fils 2 maintenant, c'est vraiment... J'explique pour les mecs qui ont jamais joué et tout, les gars. Et il a 30 gold, en plus. Après, il y a pas mal de chance, quand même, sur le jeu aussi. Tu peux toucher des trucs de ouf et snowball dès le début et te mettre bien. Mais la chance est réduite par le nombre de games. Il y a forcément des games où tu vas avoir plus de chance que les autres et du coup, il faut... C'est pas mal, il commence à bien gagner. Ouais, c'est ça. Là, il est en bonus de chain win. C'est 3 wins ou 4 wins? C'est 3. 3, ouais. Du coup, là, il va être en bonus de chain win, il va gagner un gold de plus. Et là, on est au niveau du carousel. Même carousel, il est pas mal, en fait. Lucian, il est incroyable. Lucian qui fait level up 2. Tiens, il a une marque courbe dessus, ouais, voilà. Non, il a une baguette, une BF. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le problème, c'est que... J'ai l'impression qu'un mec qui veut deny. Ok, c'est bon. Let's go! Le meilleur truc qu'il pouvait avoir. Double 6-1. Une Vayne. Après, le mec que tu cherches, c'est de la variance. Ah, merci, bien vu. Je connais pas, je suis pas un maté. Le mec qui joue Maker, il est strong, hein, putain. Il est en full win et tout. Ouais, le mec qui a eu Fils 2 là, c'est ça. Bah, sûrement, je crois. J'ai eu un Rumble, j'ai pas gagné. Après, ça va là. Il vient d'avoir Giant Slayer, du coup, ça va le mettre un peu bien. Ça va être dur quand même. Et putain, en plus, il trouve le Lucian derrière. Irelia, mais du coup là il regrette de pas avoir acheté Vi tout à l'heure, non? Ah bah elle est là, de toute façon je suis bête. Ouais, il l'avait acheté mais il l'a revendu, je crois. Ah, ok. En fait ça prend trop d'économie la Vi. Ouais, ça coûte 3 dans ton bord. Et tu veux pas la rentrer tant que t'as pas... Les 6 cyber. Les 6, ouais. C'est Echo le 6ème, c'est ça? Ouais, c'est Echo. Okay. En gros tu remplaces Lucian par Echo et tu rentres Vayne avec les items de Lucian. Ok, de Lucian, ok, c'est ça le plan du jeu. Après, de toute façon, il est assuré de la trouver, la vaille, parce que vu qu'elle coûte 3 gold, plus tu montes de level, plus t'as des chances de trouver des persos qui coûtent cher. Donc, en bas, là, au-dessus du shop, ouais, c'est ça, t'as le pourcentage. Selon les tirs et tout. Donc, lui, et ça change selon le niveau que t'as aussi. C'est bon, le mordeux, c'est vraiment bien. C'est bon, ça bat. On a dehors, moins 6 HP.
Ça gratte, ça gratte. Par contre, le premier, il a toujours pas perdu. Hein. Ouais. Il va peut-être perdre. Hein. Huanzi, le joueur chinois. AlphaGo, c'est le joueur chinois aussi. Ah non, il est trop strong. Et en Pititas, fait. Ouais, non. Ouais, par contre, il a Brumble, par contre, hein, il lui faut la suspeur. Frère, Mecha, même moi, je sais jouer Mecha. La question, est-ce qu'il y a... Attendez, il y a un mec qui m'a posé une question. Ouais. Attends. La question, j'ai une question, est-ce qu'il y a de l'aléatoire dans les combats? Genre, est-ce que si tu gagnes une fois avec une compo et que tu win, est-ce que si vous êtes reformaté exactement les mêmes compos, t'es sûr de win à chaque fois? Pas à 100%, mais on va dire que... En général, si tu gagnes une fois, tu gagnes dans 70% des cas. Ouais, c'est ça, parce que des fois, tu peux avoir des outils. Après, il y a des mécaniques sur le jeu, avec à la fin, t'as des zéphyrs, des trucs comme ça. Le zéphyr, ça soulève un perso en face. Du coup, tu peux changer à la dernière seconde, essayer de brain l'adversaire. Pour pas... Ah, bah, il joue contre le premier, justement. Ouais. Et du coup, ça peut te permettre de comeback des combats ou de gagner des combats que tu perds. Il y a le placement, ouais, c'est ça. Il y a le placement. Là, ouais, c'est en compliqué, fait, là. Avec le placement, tu peux limiter, du coup, cet aléatoire et tu peux. Tu tombes le. Mais du coup, tu peux calculer. Ouais, parce que Lucien, il est en train d'exterminer tout le monde. Atomiseur, c'est incroyable, Atomiseur. Ouais, oh, let's go! Il a tué le premier, let's go! Dehors. En fait, ça lui fait un effet runan un peu. Ouais. Mais là, du coup, il cancel la chain win de l'autre et lui, il chain ouais. win. Ouais, c'est vraiment le scénario parfait. Ok, c'est parfait. Là, il faut Double 6-1. Ok, ça se passe bien pour l'instant. Après, on va pas se hype parce que les compos sont pas encore terminés. Il y a plein de gens qui peuvent revenir. Donc pour l'instant, on est content. Il a bien comeback malgré l'early un peu bancal. De toute façon, c'est pas pareil. La game d'après, il y aura le son, les gars. Il y a 5 games, donc vous inquiétez pas. Mais je crois qu'ils ont pas le droit de mettre le son, je suis pas sûr. Ah ouais? Je crois. C'est période qui disait ça. Possible. Ok, gant, c'est bon. C'est bon. Ouais, il y a 50 millions d'items là. Ah, dommage, c'est pas eu un arc. Double gant sur double cyber, gant, c'est parfait ça. Ouais. C'est parfait. Ça, j'en me souviens, double gant, cyber. J'aime beaucoup sur les alliés. T'aimes bien, hein? Ouais. Lulu? Ah non, ouais, ça marche pas Lulu dans cette compo, je suis dégoûté. HOJ? Je connais. HOJ Shroud. Eh oui. Juste en fait, oui, je suis le nouveau Shones. C'est un de mec quoi dans le chat de double, il a dit qu'il n'avait pas le droit apparemment pour le cast officiel. Ah d'accord. Peut-être il dit n'importe quoi, mais ouais, c'est ce que j'ai vu. Bah tout à l'heure, Volta, il y avait le son ou pas, pour ceux qui ont suivi? Volta avait du son. Il y avait un gars, le troisième européen là, c'était qui? J'ai oublié son nom. Left of the... Voilà, lui, on avait même les notifs de sub et tout, ou de follow. Ok, bah je sais pas alors. Apparemment, Volta, il avait le son. Donc. Ok, bah je sais pas. Non, c'est juste, je pense qu'il les a pas activés. Ouais, je pense que c'est juste sur Streamlabs, il est... Non, la Caitlyn. C'est Syndra, là. C'est le meilleur joueur du monde. Après, la Caitlyn, elle a snipe aussi. Ouais, elle aussi a one-shot quelqu'un. Ça me dégoûte, sérieux. Merci, KCQHS. Le problème, c'est qu'il a fait premier, Volta. Il a 4 initiateurs, c'est fort. Ouais, contre les cyber, etc. Mais contre les Syndra, ça sert à rien. Ouais. Du coup, après ça, ça... Il changera ça à la fin de la game, quoi. Il a déjà ouais. Le mec qui joue la même compo que lui, il a déjà rentré les 6 cyber, lui, du coup. Il est... C'est qui pour savoir si HP? C'est le deuxième, AlphaGo. Ah ouais, fait chier, ça veut dire il est loin de mourir. Parce qu'il y a ça aussi, quand quelqu'un meurt avec tous tes persos, bah tu récupères... Parce qu'il y a un peu plus limité de personnages. Exactement. Ouais, c'est ça. Oh putain, encore un mec qui... T'as plus de chances de toucher tes personnages. Slooper. Ouah, ça Nico, va être trop chiant. On va beaucoup l'avoir parce que c'est une des meilleures compos du patch. Mais du coup, counter la compo de double en fait. Juste pas que Syndra elle ulti. De toute façon, il y a encore le Zrod déjà sur Nico. Oh là, c'est... La Syndra elle a ulti Lucian. En fait, la Syndra elle a ulti Lucian. Moins 12 HP, fait chier. Après, c'est normal les loose comme ça là, contre eux. Aïe. Ouah. Ça donne envie de switch. Ouais, dommage qu'il a pas dit Timo. Ouais, parce que là normalement c'est Timo, Jean et tout, c'est ça? Astro Sniper, ça c'est Timo, mais Timo tu dois aller mettre Morello Blue Buff. Ah. Et il a dit tout ça. Vein 2 par contre, c'est bien, non? Ouais, c'est bien ça. Vein 2 ouais, c'est bien. Il va attendre d'avoir les 6 cyber pour le rentrer. Ok, il a rajouté Pierre de Mana avec Irelia et Darius. Je sais pas si ça va faire la diff. Après là, il a joué ouais, que contre des... Ouais, c'est vraiment fort. Ça empêche les gros tanks de cast et tout, ça. Là, il a joué que contre des mecs forts, là. Donc normalement, il devrait enchaîner contre les mecs en bas. Mais bon, vu que c'est le début de la game, tout le monde peut avoir comeback. Le Jean, il fait trop bien, mal. Là, pour l'instant. Tuez-le, ce Jean, c'est bon. Hein. Ouais, bang, dehors. 30 gold, niveau 7. Cupiditas, faut qu'il sorte, lui. Hein. Il a pas de Morello, il a pas de son... Adastra, c'était le Turc, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Il est dernier. Il en reste. AlphaGo, il a 6 cyber. Il a touché Echo aussi. AlphaGo ou ouais, il a touché Echo, je crois. Ouais, il a 6 cyber. Echo, je sais pas. Ok. Il va trop vite, il voit trop vite avec ses yeux. Là, il lui faut un arc pour la Swiss peur. Ouais, s'il a un arc là, mais le trèche c'est. Et le problème c'est que c'est la trèche 5 gold. Ouais, jamais de là. Ah, c'est pas l'arc, c'est quoi qu'il a besoin? BF pour BF. Faire un GA, sinon ceinture pour faire un red buff. Ok. IE, ça se fait ou pas sans la Swiss peur? Ah, il vaut la ceinture. De quoi? Une IE sans la Swiss peur, ça se fait ou pas? Ça se fait, mais c'est moins fort, surtout qu'il y a beaucoup de des Brumble, des trucs comme est-ce ça. Est-ce que ça se fait Worlds? Je sais pas. Hein. Non, mais ça se fait. Bah oui, sinon ça se fait, bien sûr, mais ça se fait. Ok. Là, c'est contre les Vanguard, t'auras du mal du coup. Ah, c'est les Worlds. Ok. Xerath, pas besoin. Malheureusement. Ok, là, il peut faire un red buff, ouais. Israel. Ok. Un buff, c'est pas faux, hein. Ici, bah, ce Reko, c'est broken. C'est incroyable parce que okay, Echo il tape tout. Enfin, son ulti c'est qu'il tape tous les ennemis adverses. Du coup, red buff ça enlève le. C'est de l'ensacré de l'anti-heal. Ah, je crois qu'il a fait son swap là. Il a fait son swap, il a 4 cyber. Ok. Là, la Vayne elle a des bons items, non? Ouais, elle a des bons items, mais il en manque juste un dernier. Et... C'est quoi le dernier? Par exemple, sa Vayne là. C'est la Swisper. Ou un deuxième. Ok. Aïe aïe aïe, il joue contre son vis-à-vis direct qui a tous ses items. Ça irait bien. Allez, allez la Vayne. Allez la Vayne. Allez la Vayne, tape. Vayne, ça fait mal. Hein, tape. Ouais, je vois. Bah, sa Vayne aussi, elle fait mal. Allez, Vayne. Allez, allez. Ouais, sa Vayne, elle se focus. Sa Vayne, elle se focus. Non, elle s'est mis invisible. Allez, Vayne. Ah, non. Ah, non. Wesh, qu'elle a pas dodge, la Vayne. Elle a troll, wesh, la Vayne. Pourquoi elle tape alors qu'elle est invisible, wesh? C'est la Vayne de Ronan. À la place de Darius. Trèche, sa mère. Il rentre pas de... Ok. Trèche, son ulti, c'est un légendaire, les gars. Pour ceux qui connaissent pas, son ulti, c'est qu'il ramène quelqu'un du board dans la game. Et le Trèche, il arrive. Et les persos qui sont ramenés. Trèche, il peut ramener un Trèche. Et, et le deuxième. Ok. Mais aussi, quand il ramène un perso, le perso, il a de la mana en plus, donc il casse plus vite. Okay. Par contre, c'est très grave. À 1% de chance d'avoir deux Trèches comme ça à niveau 7. C'est très grave. Ouais, là, c'est une dinguerie. Après, c'est dans sa compo ou pas? Ouais, c'est dans sa compo, ouais. Que c'est parfait avec Wukong. Crier alors, wesh, ouais, c'est un truc de ouf, personne dit rien, wesh. Ouais, mais deux, c'est bien, mais tant que t'en as pas trois, si ouais, ça change rien, c'est comme si t'en avais un, quoi. Ouais, ouais. Et c'est mieux, Echo, c'est 20 fois mieux, quoi, tu vois. Attends, mais du coup, avec les Darius, quand ils rentrent, ils peuvent dunker, ça, mais ils ont pas beaucoup de dégâts, ça, le problème. Ok, il a fait rentrer un deuxième Thresh qui lui va faire rentrer un autre mec. On est rentré à 18, mais on se fait casser la gueule. Après, il y a la Vayne encore. Ah, oh, le laser! Yes, let's go! Ah ok, Vayne c'est incroyable. Vayne c'est incroyable. Pas, là, le petit compteur en gros sur Vayne là, c'est comme un Medjay mais version AD quoi. À chaque fois qu'il a fait un kill, elle gagne la DS. Et l'avantage avec Vayne, tu lui mets jamais d'item défensif parce qu'elle peut se mettre invisible et perdre le focus, tu vois. Comme, ouais, comme tout à l'heure, la Vayne en face, elle se faisait focus, elle s'est mise invisible et du coup, notre Vayne, elle a tapé quelqu'un d'autre. Et elle a survécu comme ça. Il a fait un TFT. On vient de le voir quand même sous nos yeux. C'est comme ça qu'il a gagné l'autre. Ok, PVE. Là, il faut quoi comme item? Une BF, l'attaque speed. Ouais, l'attaque speed. Ouais. Eh ben voilà, l'arc il est là. Voilà, vas-y, voilà. Un écho qui sort de nulle part. Dommage. Ah, abuse pas, frère. ça me suffit. Oh là là, la veille. Neuf. Oh la veille. Non, là là. Oh, il est là, frère. L'écho, il est là. Il est là. Il est là. C'est bon, tout est tombé. Ah, c'est bon. Du coup, là, il a les 6 cyber. Vu que même Vaille, elle est revenue, il faudrait. Oh là là. Il y a tout qui tombe. Y'a tout! Noël, là, hein. Si Cyborg, ok. Il a son red buff sur Echo. Echo c'est 2 et ah là là! Il faut encore un Thresh aussi. Un petit Thresh. En plus, là, il est bien parce qu'il est revenu à 20 gold. Il est revenu à 20 gold, ça, du coup. Et... C'est tout, ça, c'est pas comme s'il avait all-in et sa game était finie, quoi. Ouais. Ok, faut que AlphaGo il perde lui aussi. Aïe. AlphaGo est premier pour l'instant, fait chier. C'est lui qui joue notre compo. Mismatch Sox, le meilleur joueur du monde. Ouh là pas là, encore. La Vayne, la c'est Vayne, compliqué, là. La Vayne. Ok, elle attends, dis pas. La Nicole, tank la Vayne. Trop, ouais, elle tank trop parce qu'elle a GA. Après, elle réapparaît en Zephyr. La Vayne fait que taper. La Vayne a 100 stacks. La Vayne, aïe. Non, trop dur. Ça va, il y a beaucoup clean. Ouais. Dur à battre, Du coup, il a pas perdu beaucoup d'HP double vu qu'il a éliminé beaucoup de. Beaucoup de personnes niveau 1, mine de rien, avec Irelia 1, Echo 1. Ouais, Wukong est 1. Thresh est 1. Du coup, il décide de roll. Ok. Aïe. Là, il achète le légendaire. En fait, là, il fait des persos dans son board, en fait. Pour que ah ouais, pour que le Thresh. Oh, les Wukong. Non. Il s'est
c'est bien. Vous bah si, pour le niveau 2, ouais, quoi. Non, enfin, non, il est là. Je crois qu'il voulait vendre Irelia. Non, ça. Il allait jamais là. Non, jamais, ils vont Irelia. Non, non, non. Bah, tu sais, il joue tous les jours rouge. Non, c'est pour ça que j'ai dit non, tu vois, j'ai eu peur. Non, abuse pas, frère, c'est King, champion d'Europe. Il a pas pu bouger la hache au dernier moment. Ouais, ouais. C'est pas grave. Après, dis-toi, dis-toi qu'il y a pire. Il a plus de chances de gagner. Ouais, ok, là, Irelia déjà a fait des dégâts là au fond. Irelia a fait du damage, le Echo qui a clean tout le monde, c'est fini, les amis, c'est terminé, dehors. Toi, Panda, tu sors, dehors. Panda, va te reposer. Panda, va te reposer. Adastra qui gagne, Adastra qui comeback, hein. La Turquie en force. Juanzi est en train de perdre. Le problème, AlphaGo il a perdu, hein. 48 HP. Ah, mais... Après, lui il va mettre du temps à tomber. Contre Miss Match Sox, il est en train de revenir fort là dans les bacs. La compo, elle est forte, il est en train de revenir fort dans les bacs. Premier kill des Worlds, oui, mesdames et messieurs, c'est double qui le fait. C'est lui qui sort Panda. Eh ouais, double 6-1. Juanzi. Ça longtemps qu'il a pas affronté Adastra, non AlphaGo, pardon. Ouais, mais je crois qu'il affronte un mec avant d'affronter AlphaGo, si j'ai bien compté. Il affronte lui là. Mais là, depuis qu'il y a quelqu'un qui est mort, le matchmaking il est reset. Ah, ça reset ouais, complètement. Ouais, mais c'est dans, c'est dans l'ordre quand même. Non, non, Kamel, c'est vraiment vite fait. C'est vraiment au top 3, ça reset vraiment. Ok. Genre avant, ça reset, mais pas trop. Ouais, voilà, du coup, normalement, il affronte pas AlphaGo là. Là, il affronte un autre mec. J'ai, voilà, tu vois, j'ai compté et c'est le combat d'après AlphaGo. À part si là, il le sort et du coup, ça reset, ça fait un truc bizarre, mais. La gardienne sa mère. Ok, la veine étape. Oh, la veine. Zoé, c'est incroyable. C'est un perso, écoute, il fait c'est quoi ce stun? Ouais, elle a mis 1000. Tu le racanes, yes, voilà, la veine a tué tout le monde. Allez, c'est abusé. C'est double lift. Allez. C'est double lift. Dehors? Incroyable. Non, il est pas sorti. C'est rien, c'est rien. Adastra, il est out. Adastra, il est out. Dommage. AlphaGo, faut qu'il perde. J'espère que Cubilitas y perde. Après Miss Match Sox, il commence à faire peur. Moi, j'ai envie qu'il perde un peu. C'est bien aussi. Ouais, tant mieux. 27 HP, vas-y. En plus, sa compo. Ouh là 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 là. C'est quoi ça, c'est Echo infiltrateur. Echo infiltrateur, mais vu que c'est il y a aussi Blade Master, il est déjà infiltrateur. Du coup, il le récupère, c'est ça. Ok, il le récupère. C'est ça que c'est incroyable. Ok, ça fait un item gratuit. Ok. Juanzi, mais non, c'est de la triche, frère. Ils sont à 3 sur nous. Il y a Blade Master. Ouais, Blade Master. Mais ah, non, AlphaGo. Yes. Dehors. Ouais, apprends un cliquet, AlphaGo. Il va prendre des tresselles, je pense. Ah ouais, mon gars. Alhamdoulilah. Guardian, il l'a pris pour la malade. Ouais, c'est juste pour ça. Hein. Ok. Il a pensé comme nous. Okay. Blade Master. Du coup, là, Irelia va taper plus vite. Ouais, mais c'est surtout pour qu'elle ait un item pour qu'il y ait. Ouais, ouais, c'est j'avoue, il y a l'item. Okay. Sur Irelia et Fera, en fait. Ouais, voilà, c'est surtout. Irelia aussi, c'est fort. Tu tapes plus vite. C'est le bonus que confèrent les Blade Master. Il avait un trichant, sinon tout est. Ah oui, Echo aussi. Ouais, il y a Echo. Hein. Y a tout deux. Après, Echo, vas-y, ça va être compliqué de l'avoir deux, je pense. Il l'a vendu l'autre pour avoir un filtrateur ou il l'a gardé? Je sais pas du tout. Parce que non, parce qu'en fait, il s'enlève tout seul. Il s'enlève tout seul. Le truc à ouais, j'ai compris. Mais est-ce qu'il a vendu en plus? Parce que est-ce qu'il en a besoin? C'était Juanzi, c'est ça? Ouais. Oh là là, le gnar. Oh, il l'a touché. Il l'a dinguerie. Après, c'est bon, la veine, elle est safe. Là, la veine, elle stack. Tant que la veine, elle est safe, Echo, il fout la merde. C'est tout ce qu'on veut. Lui, il est encore faible. Heureusement qu'il a mis de l'enchil parce que ça, c'est fou. Oh, le Blitzcrank. Attends, c'est pas fini. Invisible. Oui, double lift. Cupiditas qui perd, let's go. Incroyable. Pourquoi il garde Darius? Parce qu'en fait, Darius, il rentre avec Thresh. T'as un perso niveau 2 et il coûte pas si cher en économie. Et dès qu'il rentre, il peut vraiment snowball, quoi. Let's go. Il peut snowball, il peut mettre pierre de mana. Du coup, double et premier du lobby pour l'instant. Et quand il rentre, généralement, il y a déjà des low HP. Du coup, il va pouvoir reset sur Mitchie et dunk plusieurs personnes. Après là il va y avoir le PVE, on espère un bon item. C'est quoi le mieux là qu'il faudrait? Ouais, je sais, c'est un item entier. En item entier, il y a quoi là? Shroud, hein, je pense. Shroud, ouais, Shroud c'est pas mal contre les mecs en face. Sinon des items pour Echo, tu vois, style Shroud buff. Ok, oh là, là il joue contre Miss Match Sock. Ça va être compliqué parce que c'est un peu son counter, ouais. Après là il y a Echo qui est dans la backline. S'il arrive à caler un bon ulti, là il va ulti Echo. Hop. Il a mis de l'anthill partout. Pour l'instant c'est pas mal. Il a ramené un Thresh. Oh, la lanterne du Thresh qui a été cancel. Oh, la Syndra elle a tué tout le monde. Ah, il reste Echo, il va ulti. Ouais, mais c'est mort, il pourra pas le battre lui. Hein. Lui c'est vraiment avec son counter quoi. Là s'il avait Echo 2, il le battait. Ok. Thresh 2. AlphaGo il a perdu un classement. Hein. Thresh 2, je sais pas. AlphaGo il a plus de 15 HP, c'est vrai ça. Il faut Echo 2, Thresh 2. Irelia 2 aussi. Thresh a l'air d'être. Ah, c'est vrai qu'Irelia il est 1. Il est faible là. Ouais, faut que les mecs. AlphaGo bien, il sort. Bah, Solari, ouais, c'est bien. C'est toujours bien, quoi. C'est vraiment bien. Lui, ça abusait, lui.
Après, du coup, lui, il a GP infiltrateur. Là, il faut qu'il touche des champions, là. Sinon, ouais, il va commencer à perdre par-ci par-là et il va plus pouvoir snowball. Là, le passage niveau 9, il est pas intéressant. Bah là, en fait, il a pas trop les gold pour parce qu'il pourra pas roll derrière. En fait, tant qu'il a pas ses deux champions niveau 2, autant tant pour. Et vu comment c'est serré, je pense qu'il va juste roll et. Ouais, et gratter un maximum de place. Il a rien à rentrer niveau 9, quoi, vu qu'il a une fun. Ouais, c'est la Galaxy Fun, donc. Ok. À moins besoin de passer 9. Faut juste qu'il fasse des tours. Là, il a acheté Urgot. Pour. T'as la Irelia, elle veut pas tomber. Ok, Thresh. Thresh est là. Irelia tombe. Xerath. Là, il a tout roll. Le Echo. Le Urgot, il va s'en servir ou pas? Ouais, il va le prendre en gros comme ça. Thresh, il le grab en gros. C'est comme ulti, j'avoue, ça fait son ulti. Ça one shot. Il gagne. Ok. Non, je pense qu'il va s'en passer. Hein. Ouais, il va pas lock pour ça. Genre, il a d'autres trucs. Ok, déjà, il a touché Thresh 2. Il lui manque plus qu'Echo 2. Et après, on peut enfin parler. Là, il est contre un Ghost. Est-ce qu'il y a un malus pour le Ghost ou c'est comme si c'était joué contre un mec? Non, c'est pas un Ghost. Le perso, il est en haut. Il est caché. Ah, ok, je le voyais pas. Okay, c'est pour ça. Ah, ouais, on voit son board. Ah, il est strong, lui. Ouais, là, la Soraka, la Viat Clutch, il va prendre beaucoup. Là, il a 32 HP. Non, il meurt. Il meurt pas moins 17, c'est au moins 20. 20. Waouh! 22. Pas de 3, ouais. Ok, bon, là, maintenant, une top défaite. 4, top 4, top 4. Top 4, déjà, c'est bien. Top 4, c'est bien. On rappelle que c'est le top 4 qui est qualifié. Mais là, il va falloir qu'il... En fait, top 4, c'est bien parce qu'il a pas non plus eu trop de chance sur Irelia et tout. Bah, le problème, c'est que sa Irelia, elle est pas tombée, là. Il a pas eu une deuxième Irelia. Enfin, troisième, pardon. Irelia 2, je pense, ça fait la diff. Hein. Ouais. Bah, là, le problème, c'est que sa Irelia, elle sert à rien. C'est un de ses carries, donc... Tout Echo, là. Echo 2, ça change tout, vraiment, c'est... Après, l'avantage du mec qui vient d'affronter, c'est que si. Là, normalement, il affronte Alphago, je crois. Il risque pas de le réaffronter. Oui, en fait. Normalement, il affronte Alphago, là. Ça fait longtemps qu'il l'a pas vu. Je pense que peu celui qui gagne, il a pas pu changer ça. Ouais, c'est ça. Là, celui qui gagne, il sort l'autre. Non, oh, Echo, double statique. Il allait la bouger en plus, la Vayne. Ouais, il allait la bouger, mais on a vu avec le ping, il a pas pu. Voilà, la Vayne, elle a pas joué chez nous. Je crois qu'il va être compliqué là. Avec le changement de... Ah ouais, elle a pas joué la veille. En plus. Ok. Top 4, c'est sûr. Top 4, c'est sûr, parce que personne ne descendra à moins 15 HP. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va. Il y a R, il y a R. On le rappelle, c'est 5 games. Aurait pu tout changer. Et c'est les 4 premiers qui passent. Ah oui, le Zephyr, ça... Ouais, c'est ça, c'est les 4 premiers qui passent. Top 4, c'est bien. Top 4, c'est bien. Sachant que cette game, il a pas eu trop de chance non plus. C'est ça. Top 4, c'est excellent, les gars. Il faut Régu. Ouais, vous inquiétez pas. C'est un joueur qui fait des top 1. C'est un joueur qui fait des top 1 double. Parce qu'il était contesté, donc il a eu du mal à trouver. Non, franchement, top 4, c'est vraiment bien payé. En vrai, ouais, ça va. Là, j'ai l'impression qu'il a jamais été, à part un petit moment, genre super, super strong dans la game, tu vois. Mm. Il a toujours été en mode adaptation. Et top 4 avec une game comme ça, moi, je suis content. En fait, c'est le genre de game en cyber où si t'as Lucien 2 très tôt, bah, tu vas snowball. Attends, et... envoie le clean feed comme ça, on regarde la suite de la game. Vas-y, attends. Envoie-moi sur Twitter, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète. Deux secondes, je vais vous mettre la suite de la game, les gars. Veuillez patienter. Et en plus, le mec qui avait sa compo, il avait touché tous les items, il avait touché Irelia. Donc forcément, quand un mec dans la game a l'un de vos persos, bah, il y en a moins dans le pool de champions général. Il avait double statique sur son Echo. Il est mis dans la con. Ok, ouais, c'est bon, j'y vais. Ok, du coup là on a mismatch Sox contre AlphaGo. AlphaGo c'est celui qui avait la compo de double. Et mismatch Sox c'est celui qui counterait la compo de double. Et du coup il va counter un peu celle-là aussi. Je pense pas qu'il puisse gagner AlphaGo, à moins que la Janna. Ah si, il gagne là. Du coup mismatch Sox il sort, il va faire top 3. Et le top 2 ça va être entre les deux Chinois. C'est ça, AlphaGo et Huanzi, ouais. c'est ça. C'est les deux Chinois qui vont faire top 1, top 2. Il a pris une belt. J'ai pas vu les items qu'il avait. Pour réguler top 4 minimum. Ouais, c'est ça. Top 4. Et après, dites-vous, TFT, c'est un jeu qui peut varier d'une game à l'autre. Hein. Là, AlphaGo, il peut faire top 1. La game d'après, il peut faire top 8 directement parce qu'il aura rien touché, tu vois. Genre, on n'est pas... Shooter. Ouais. Tu peux aller voir avec lui pour le son ? Bah, y a pas besoin, non ?
En vrai, c'est lourd, c'est mieux, ouais. C'est facile à faire. Ah, pour oui, ouais, okay, c'est mieux d'avoir le son. Si on peut avoir le son. Il a quoi le son? Bah, on n'entend pas le son sur ton stream double. Il y a des gens, ils ont dit c'était. Apparemment, le c'était les règles, mais je sais pas si c'était les règles ou pas, genre. Apparemment, il y a d'autres streamers qui avaient le son, donc je pense que tu peux l'avoir. Le son du jeu. Parce que ça fait un peu vite, des fois, dès qu'on parle pas et tout, ça peut nous mettre. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien alors, le son du jeu, ça donne l'ambiance. Quand il y a un perso qui passe deux et tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'inquiète, BG. Reste concentré dans ton tournoi. Bien joué. Tellement envie de voir un petit Astro Sniper, c'est avec Bard. Timo en carry et Jin potentiellement. Mais ouais, tu peux avoir Bard d'abord et tout. Ouais. C'est Juanzi qui fait premier. Ouais, je m'entends là. Ouais, c'est Juanzi qui a top 1. AlphaGo 2ème. Mismatch Sock 3ème. Et KC Double 6-1 4ème. Et après, je m'en souviens plus. Au niveau des games, je sais pas, ça s'enchaîne vite ou ça met un peu de temps? Je crois qu'il y a genre 5 minutes de pause et puis ça s'enchaîne en général. Ok. Hop là. Normalement, c'est bon, là, on a le son. Pouh ah, Timo, coup, Jin, Gnar, Nautilus. Ouais, Gnar, c'est un truc qui te donne de l'XP et tout, ça a l'air incroyable. Quand j'ai vu ça, ça m'a trop donné envie de jouer. Écoutez, je vois le truc qui te donne de l'XP avec des bips et tout, ouais. Ça doit être trop lourd à jouer. Niveau 2 et tout là. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à. Tu viens la rune dans LoL. Tu sais, quand elle était sortie, celle où dès que tu tapes un mec, t'as des golds. Soit des golds, soit. Kleptomancie. Ouais, Kleptomancie, ça m'avait pensé à ça. Quelle rune de fou. Voilà, je partage mon expérience. Il y a rune game. Il y a 5 games au total, les amis. Du coup, ça va pas tarder. Juste, il y a une pause entre chaque game, logique. C'est les wars, les gens jouent de tous les fuseaux horaires. C'est la guerre, quoi. Aïe. Ok. T'as le lien du classement après chaque game. Les gars. Ouais. Son, tu vois, il truc, mais comment t'enlèves la musique? Parce qu'il écoute de la musique lui quand il joue. Tu peux pas enlever la musique. Bah, comment il fait alors? Bah, y'a pas de son, ma gueule. Y'a pas de son, du coup, s'il veut écouter de la musique, y'a pas de son. Ah, dis-lui, t'inquiète, dis-lui, tu peux pas besoin du son alors. Il écoute quoi sinon? Parce que l'admin, il lui a dit t'as pas de son aussi. Ah, l'admin, ah bah. Au pire, il met du son avec son téléphone, genre. Je sais pas s'il a besoin du son du jeu ou pas. Parce que du coup, si l'admin, il veut du son. Sans table de mixage comme j'ai là, c'est compliqué, hein, je vais pas te mentir que c'est un peu complexe. Laissez-le. Non mais c'est pas nous, c'est l'admin qui lui demande. Si l'admin lui demande du son. Si l'admin lui demande du son, c'est que c'est pas nous en fait, nous on s'en bat les couilles au pire. Et genre tu peux pas enlever le son le... Pour le stream? Non, tu peux pas. Mais genre même si ça se fait, c'est pas un truc que tu fais là comme ça, tu vois. Bah, comment tu peux... il faut... Bah moi c'est parce que j'ai une table de mixage. Ah ouais, mais frère. Mais c'est pas. Et sinon, comme Camille l'a dit, il peut mettre des écouteurs ou je sais pas, tu vas pas écouter. Ouais, t'as pas de... il a pas des écouteurs sur son phone ou quoi? Donne-lui ton téléphone, c'est bien. Fuck la nuit. Il faut voice meter. Ouais, mais là, c'est impossible d'installer ça tout de suite et de tout régler. Il a pas le choix. Hein. Après, s'il veut le son du jeu, bah, il met le son du jeu. S'il veut la musique, il est obligé de mettre des écouteurs. Il n'y a vraiment pas le choix. S'il met l'entrée de sound sur le son Windows dans le logiciel de stream. Ouais, mais ça va être trop compliqué. Ça risque d'être compliqué. Et vu qu'ils sont obligés de stream la compétition, on ne veut pas entrer dans des problèmes où son Streamlabs, il bug, des trucs bug, etc. Ouais. etc. et qu'ensuite, on soit dans la merde. Pour Juanzi, c'est celui qui avait touché Fizz 2, c'est lui qui avait premier, quoi. Ouais, non, ouais si, c'est Juanzi qui a fait top 1, AlphaGo top 2 et Mismatch Sox top 3. C'est pas normal ça. Ah si, c'est normal de demander le son. Parce qu'en fait, le TFT, il n'y a pas de mode spec. C'est ça qui est pas normal, c'est qu'il n'y a pas de mode spec. Et vu qu'il n'y a pas de mode spec, le seul moyen de cast ou de commenter une compétition comme ça, c'est que les gens streament leur POV. Et du coup, le clean feed, comme vous avez pu le voir, ça switch entre les POV. Donc à chaque combat, ça va passer du streamer en Chine à celui en Argentine. Et du coup, bah si pendant le son, t'as du booba... Le cast tirailleur, ils sont en mode vas-y, tu vois. Ou du Caris. Ou du Caris, si tu veux. Ou du PNL. Ou du F430. Ou du F430. D'autres artistes, peut-être. Vous n'hésitez pas, c'était juste pour donner un exemple. C'était pas contre toi, Fatih. C'est bon?
Tu te la mine tarte, c'est bon. Il va mettre sur ses écouteurs. Grosse claque dans sa mère. Hein? Il sait ça à reprendre en combien de temps? Attends, je vais voir. Tu vois. Il s'est annoncé là, il a annoncé. Ah, c'est bon, c'est reparti, ok. Ah, c'est reparti. Ouais, nous prévenir. Ils enchaînent, ça. Oh, des bons frères, ils enchaînent comme ça. Trop, mes frères. J'ai cru qu'il allait avoir 15 minutes de pause entre chaque game, j'étais en mode putain. Voilà, ok, c'est reparti. Du coup, là, il est en train de se battre avec plein d'autres gens pour un item. Du coup, là, il y a le son. Ok, la belt. Il a eu quoi? Ah, ouais. Il a rien eu. Normal, hein. Il a eu. Ok, pas de galaxie. Du coup, là, c'est une game de bonhomme. Là, c'est. Que le meilleur gagne. Il a eu un gant. C'est bien en galaxie normale un gant? De toute façon, je pense que c'est toujours bien un gant. En fait, c'est l'item le plus. Flexible. Partout. Ouais, ok, il passe partout. Ok, ok. Du coup, c'est cool. Il faut partir sur de la paix, comme sur. Il y a un truc tank, comme sur. Comme sur du crit. Des... Ouais, comme... vraiment, okay, ok. Tu peux tout faire. Et tu peux toujours aussi partir double gant si vraiment t'es en face. Ok. Ok. Il a fait top combien game 1 top 4. Je vais vous mettre un petit truc, je vais écrire top 4, un truc comme ça là, comme les joueurs TFT ils font. T'as remis la scène Kamel? Je sais pas si c'est. Ouais, t'inquiète. Attends, ils font quoi game? Donc il y a 5 games et là première game 1 belt. Et tu mets top 2.4. T'es sûr, c'est long quand même. Ah non, sinon tu mets game 1 sur 5, game 2 sur 5, comme ça ils savent que c'est la deuxième sur le... Top 2 points et tu mets hashtag 4. C'est un peu long mais au moins t'as tout quoi. Ok. Là il a une ceinture. Le Malfi, tu vas certainement partir, je crois. C'est ouais, presque il attend de voir s'il a des golds ou pas. Mais juste, ouais, j'ai mis top. Je sais pas pourquoi il m'a dit hashtag 4, mais je vais l'enlever le hashtag après. Ok, vas-y, c'est parti. Du coup, là, on peut pas trop savoir sur quoi il va partir. Juste, même lui, je pense qu'il sait pas trop. Là, il a pris les doublons parce que. Ouais, on sait jamais. Si t'as des niveaux 2, c'est trop fort en early. Et du coup, bonne chance, quoi. On dirait un truc cyber, là. Tu peux expliquer le système de points pour se qualifier? Alors, le système de points, il est tout simple. Il y a 8 joueurs, il y a 5 fois. Il y a 5 games. Et le top 4 se qualifie. Au niveau des points, le top 1, il prend 8. Et c'est régressif. Donc, top 2, 7, top 3, 6, ainsi de suite. Jusqu'au top 8. Et voilà, du coup, à la fin, t'additionnes les points. Et. Celui qui a des 5 games, c'est les 4 qui ont le plus de points. Il a pas eu de chance là par contre. Voilà. Très très simple. Après, c'est bien toutes les golds comme ça parce qu'il a un niveau 2, Léona. Il va avoir beaucoup de golds. Chrononaute. Après, ça gagne pas ça. Non. Il a 2 level up. Après, okay. Ah ouais, Bronta il a Vanguard plus chrono. Ouais, voilà. Ok. Niveau 1, il a pas d'item. Ah ouais, ça va. Ah ouais, ça va. Ouais, c'est des bons persos en plus. Ah ouais. Ah, c'est ça. Là, il a acheté full item. Je peux rien faire avec ces items là. Full perso, pardon, je voulais dire, il a acheté full perso. Mais déjà, du coup, après, est-ce que le jeu il équilibre et il te donne plus d'items pour la suite? Ouais, ouais, bien sûr. En gros. Parce que lui, il a eu 4 items du coup. Au final, tout le monde a plus ou moins le même nombre d'items, tu vois. Ok, ok. En gros, Sean, je l'expliquais tout à l'heure. En moyenne, t'as 12-13. 12-13 objets, et en gros, plus t'en as, moins tu vas avoir de gold, et si t'en as pas beaucoup... Ah ok, ça équilibre, ouais, y a... avec les gold. Ouais, c'est pas, on n'est pas dans du hasard total, quoi. Ouais. Ok, du coup, là... Nautilus, c'est bien pour lui s'il veut faire sa compo... Ouais, et en plus, il a ça, il peut faire... Il peut la partir sur sa compo, ok. Merci à Cobrooks, merci beaucoup. Non, tranquille les gars, le début, de toute façon... En fait, au début, si t'as pas. Au début, en fait, si t'as pas la chatte de je sais pas quoi et que t'as pas tous tes persos avec des bons items. En fait, au début, t'as des bons persos, des bons items, mais tu peux snowball. Mais si le jeu il te donne rien, bah tu peux pas non plus. Ouais, c'est ça, tu peux rien faire quand t'as pas. Là, y'a pas de play possible. Et là, il a beaucoup de doublons. Il peut avoir bientôt 3 persos niveau 2. Banal. Avec un peu de chance. Ah, dommage, le Darus, il faut pas de gagner. Ah, le Malphite. Et Léona, il va le. Elle va tuer Ziggs. La Léona aussi, elle est intuable. Hein. Ouais. Petite smoke là. Hop. Eh, hey, maintenant qu'ils sont placés comme ça. C'est game. Ah, rafalez-le, ce Malphite, tue-le. Je déteste ce perso. Ok, dehors. AlphaGo, ça dégage.
Après, comme on a dit, une win, une lose. C'est pas bien ça. C'est pas bien. Après, là, en fait, ce qui est bien pour lui, c'est qu'il a plein de doublons. Du coup, là, tu vois, il a deux persos niveau 2. Ouais. Ça commence à. Vas-y, même s'il a pas d'item. Je sais pas s'il a préféré passer 10. T'as 10 gold ou. Ah ouais, parce que là, il peut vendre ses doublons. Okay. Il va peut-être vendre. Ouais, il va vendre, ok. Là, c'est win, il a 10 gold, sinon il revend un perso niveau 1. Ouais. Genre là, il a Roy. Non, ça te fuira là qu'à partir du coup. Il a pas de chance, il arrive pas à switcher. Il a pas de delay. Ah, il l'a vendu, ok, parce que tout à l'heure il a vu une alloy. Ok, bah vas-y, let's go. Est-ce qu'il gagne contre lui? Je crois pas. Hein. Lui, il devrait se faire atomiser. Ouais, je pense. Le Darius, c'est trop bien. Après, le Darius, il a ulti. Ah, mais. Oh le Darius, il a ulti deux fois, lui aussi. Ah, mais là, c'est pas mieux. Okay, le Darius, il va enchaîner derrière. Ouais, c'est ça. Aïe. Aïe. Ça va, il en a tué beaucoup quand même. Il a eu tellement de gold en face, ça dégoûte. Du coup, il a dû revendre un perso pour passer niveau 10. Non, même pas. Il a eu un gold avec pirate, je crois. Mais il en a eu deux, je crois. Non, juste un, je crois. Ok. Là, par contre, il a eu de la chance sur le matchmaking parce qu'il avait 92 HP comme son. Merci pour Poseidon Panda. Ok. C'est lui qui va choisir en premier. Qu'est-ce qu'il veut là? Il a un gant, donc il peut prendre un deuxième gant, sinon il peut prendre un... Après ça lui met Nautilus 2, du coup le Nautilus aura un item, je crois. Attends, je crois qu'il l'a vendu, non? Ah non. Coup, là, je pense qu'il va faire double gant. Il y a un trick où tu peux vendre avant que ça combine, mais ouais, peut-être qu'il va mettre Nautilus 2 double gant au début, puis il va... Ah, puis après il va le swap, ok. Mais t'es sûr que ça marche toujours, ça, quand... Ouais, ça marche encore. Okay. Ah, ça, en fait, c'est pas à 100%. Peut-être qu'il avait pas vu que ça a combiné aussi. C'est un trick ou un glitch? C'est un trick ça. Ok. Ok, 3 cyber, mais du coup il a pas d'item donc. Ah, c'est pas exceptionnel. Hein. Là il stat. J'avoue que la ceinture sur Leona là elle va avoir 100 000 HP. Ok. Là il a mis les items pour avoir le bonus cybernétique. Là Leona elle est tellement tanky là. Il a pas de dégâts quoi. Ouais. Ah, il a la suite en face. Fort, là. Ouais. Je pense que son objectif c'est de limiter les dégâts justement. Pour tanker. Ouais, c'est de perdre, mais en. Après là, il y a moins qui gagne. Hein. En éliminant des ennemis quoi. Il y a moyen, ouais. La Graves 2. Le Atomizer ça met bien. Après, il l'a aussi en face donc. Oh, la Fura elle a bien survécu. Ah non, la Smoke. Ah, il va perdre, fait chier. Après, c'est pas grave, tant mieux en vrai. Après, une petite défaite, c'est une petite... Ouais, c'est une mini lose. C'est limite war, ça. Il gagne un goal. Parce que derrière, s'il gagne, il doit regagner. Ouais, c'est ça, compliqué, en fait. Quoi. Par contre, là, niveau des persos qui sont proposés, c'est pas ouf, hein, j'ai l'impression. Faut attendre le PVE. Hein? Il sait pas la merde, faire, même. En fait. Ouais. Il a des items de merde, en fait. Bah, il a pas d'item en fait. Dans ce jeu, c'est les items qui font ta compo. Ouais. Quand t'as rien comme ça, t'as pas de direction. T'as... Après, là, le PVE il peut être game changer. Quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, je pense même que genre, ça va lui dire. Ça va lui donner une direction quoi. Merde, mais ça ressemble vraiment à une game cyber, tu vois, dans tous les cas. Et moi, je voulais voir le truc de Bard. Écoutez. Mais pour ça, il faut vraiment. Je sais. C'est possible, hein. S'il a un blue. Écoutez, je sais, je Je veux juste voir les mips qui donnent de l'XP et tout. C'est trop. Ça me rend trop heureux. Ah là, il se fait exterminer par lui. Peut-être une petite lose aussi. Ah, ça va être une petite. S'il arrive à tuer le Rakan. Faut qu'il tue Rakan. Là, faut que Nautilus il ulti. Ok, nice. Un petit dash de Lucian et il tue un mec. Non. Ah, dommage. Bravo, c'est 6 HP. Tout va se jouer au PVE, let's go. HP, je pense qu'il est encore mieux de tableau, ouais, donc il est pas trop mal. La Syndra. Ah, en fait, là, il a pas d'item quoi donc. Full item AP et tout, ou des gros items pour Nico. Ouais, il attend de voir le. Ça dépend en fait, il a des golds et tout. Genre, si la belt, double larme ou de l'AP et tout, genre, une grande chance qu'il prenne. Même une arme, il y a moyen qu'il la prenne. Puis en vrai, Cyborg, l'arme, t'en as pas besoin, on est d'accord. Bah, tu peux faire Hoge, c'est fort quand même. Ouais, tu peux faire aussi sur Echo statique. Ah, mais c'est dans longtemps quoi. C'est trop loin. Mais vu que ouais, tu peux encore retenir avec un Lucian et. Oh, c'est abusé, wesh. Encore un gant de crit, frère. Non, ça va encore, mais. Ouais, mais bon, là, c'est fait 60 gants quand même. Beaucoup là. Non, mais là, c'est trop, frère. Oh, yo, yo, là, c'est une dinguerie. Un autre gant QSS Dinguerie. Arrête, ça fait Zephyr. Mecha Pourquoi Mecha? Ah, ouais, pour le QSS, ouais. Mais bon, il a rien. Après, il a pas un perso Mecha. Il a double gant, je crois.
Deux ouais, doubles gants, c'est game, c'est parti, on y va. C'est un peu pourri, hein, franchement. Ouais, mais ça va pas lui faire win quelques games en early, là, quand même. En attendant. Ça peut faire le taf, ouais. Avec un peu de chance. Genre Lucian. Demande s'il va slam le Zephyr ou pas. Ah, mais là, ça pue, là, c'est oh, critique, là. En early, faut le mettre sur Fiora, je pense. Il va le mettre, il va le mettre. Ah non, ok. Il le met quand même, ok. Il attend de voir, je pense. Ouais, là, il en a besoin pour passer la front lane. Là, Nautilus avec ce stuff, il fait mal de ouf ou pas? Ah non, je crois que c'est ça qui la scoute en fait. Il la scoute s'il y avait des QS et du. Ok, bon, bah ça oui, non, on va prendre. Hein. On va prendre, mais là, le problème c'est que. Sur Cyber, c'est bien. Ouais, ça va. C'est chiant parce que là, il a pas pu avoir ses 40 gold, du coup, il va tout acheter. C'est le souci. Ah, c'est abusé, il a eu que des gants. Ok, pirate. Il peut peut-être se diriger vers Astro, là, non côté. Ça marche double Zephyr ou pas? Ouais, ouais, mais tu mets sur deux personnes différentes, quoi. Là, il sort Lucian. Ouais, ça marche. Parce que là, il l'a sur Lucian, quoi. C'est sur Lucian. Si il est sur un perso, c'est rassurant. Non, ouais, je pensais que c'était genre interdit, genre sinon tu fais. Non, bah, je me suis dit, tu fais une strat ou tu fais 4. Ça existe des triple Zephyr. Ah, ok, ok, je me disais. Mais pas le Lucian, il est trop con. Non, non, c'est ça. Ah, bah ça lag. Ah, bah. En gros, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis la Caitlyn pour que les ennemis voient pas qu'il y a un Lucian et du coup qu'ils puissent pas le snipe avec un Blitz ou bien un Zephyr. Mais le problème, c'est qu'il joue sur le serveur NA, du coup il a 110 de ping et il a pas pu le changer assez vite. Faut qu'il s'adapte en fait. Ça, c'est vraiment go next là. Hein. Ouais. Tu mets pas le perso, faut pas tilt quoi. Ouais, ouais, ouais. En fait, faut qu'il s'adapte au ping, faut qu'il se dise qu'il doit le faire une seconde avant. Il doit vraiment le faire une seconde avant, hein. Quand il y a le perso sur le board comme ça là, les ennemis, tu sais, s'ils cliquent pas sur le perso, ils voient pas qu'ils ont des items. Ouais, ouais, du coup tu sais jamais. Par le HUD, ouais. Enfin, le... Même pas HUD, juste ça affiche pas, tu vois. Tu dois cliquer droit dessus pour voir le... Ah, faut que... Le Zephyr. Ok, il a Caitlyn 2, mais je pense pas que ça fasse une énorme diff. Encore un Zephyr. C'est bien, hein. Après, il a pas rentré la game d'avant, donc... Je sais pas s'il va rentrer plutôt de base que... Pour avoir ah mais oui ouais. Et c'est plus fort au niveau 1 que Darius. Moi je pense que c'est game Astro en côté. Ah ouais. Oh ouais, dis-moi ça c'est Astro trop beau, ça. Je pense pas hein. Ping sur TFT à me dire l'excuse. Non mais il joue sur le serveur américain en fait. Parce que c'est les championnats du monde si t'as pas suivi. Ouais non t'as raison, possible. C'est le championnat du monde et bah c'est le seul serveur sur lequel ils peuvent jouer. Attends mais là j'ai l'impression qu'il y a eu qu'un seul Zephyr là. Je crois les deux ont Zephyr la même personne. Ah ouais, je crois que c'est ça, ouais. Oh, le Nautilus. Pas vu, mais je crois. Bah, j'ai vu que la poppy de Zephyr, moi. Pour moi aussi, il y a que deux. Je suis peut-être fou, mais... Voilà, oh, il peut pas gagner, c'est ça. Merci, le Margoulin. Merci, Nax. S'il part Astro, c'est qu'il a aucun item pour ses carries de dégâts. Énorme, ça, merde. Là, va falloir qu'il tempo encore jusqu'au prochain PVE pour savoir sur quoi il va partir, c'est ça? Bah ouais. Sauf si enfin, pour l'instant, il part cyber, mais si jamais il touche une dinguerie, vas-y, il se laisse jusqu'au prochain PVE pour faire son choix, c'est ça? Non, pour moi, il joue Astro côté. Hein. Astro, possible, mais... Pour moi, il voulait le Jhin. Merci à Whipsy. Ah non, c'est possible aussi. Ouais, bah oui, en fait, tu peux mettre double gant sur Jhin et double gant sur Gnar, ouais, par exemple, ou quoi, et... Ah, cette game est plus du cul, là. Je vois pas, 4 gants, c'est... Merci, Cancel. Là, ça pue un peu, là. J'espère qu'il va avoir un peu de chance au niveau des... C'est les fantômes, c'est ça? Les corbins. Je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est les corbins, hein. Ou les golems, non, il y a eu les... Non, les loups, c'est les premiers. Non, les... C'est les golems. Ah, c'est les loups, du coup, ouais, c'est les loups. C'est les loups bizarres, c'est même pas des loups, frère. Ouais, mais t'as capté, c'est les loups, quoi. Ok... Là, il a pas de Zephyr, il a Morello. Ouais, 50 gold. Ouais, bah là, en fait, vu qu'il est dans la merde, il se dit autant jouer l'économie, c'est ça? Ouais. Dans tous les cas, il pourra difficilement gagner à part contre les derniers là. Bah, justement, il tombe contre AlphaGo. Ouais, il est strong, ça va pour l'instant. Bah, là, il est avant-dernier AlphaGo. Hein. Je crois qu'il vient juste de se mettre Hami. Est-ce que ça passerait pas? Oh là là, le Fizz. Aïe 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 aïe. Il faut une cheat. En vrai, ça va, c'est une cheat lose. Dommage, le Nautilus il a pas pu cast. Il va gagner full gold. Hein. Ah, c'est bien là, ça va faire 4 loose d'affilée, mais 4 petites loose d'affilée, ça veut dire qu'il a, okay, il a le bonus. Il a le bonus de gold. Bard. Oh le bardo. Oh ouais, let's go. Oh le linceul.
Donc voilà, tu vois la ligne, bah, tous ceux qui sont sur sa ligne... Ils ont de la mana en moins, c'est ça, dès le début? Ouais, moitié mana au début du game. Ok. Du coup, il cast et... Ça fait la diff. Donc il y a beaucoup de compos avec de la mana comme... Comme celle-là, là. Voilà, Mismatch Sox, là. Il joue que Star Guardian, Mismatch Sox. En fait, souvent dans des tournois comme ça, t'as des joueurs qui OTP des compos du début à la fin, donc c'est possible. Okay. Ouais, comme ça, ça deny les autres, ils se disent « Ah ouais, mais si je joue ça, il va jouer ça. » Ouais, et... En fait, ils disent « Lui, il joue que ça, donc je vais pas le jouer. » Et du coup, le mec, il est encore plus facile à la jouer. Et... Ouais, ouais, ok. Genre, c'est une pression psychologique. C'est comme les sur Fortnite, quand les mecs, ils allaient dans une ville. Ouais, c'est et un peu ça. Tu disais en mode « Je laisse ça. La ville. » Le problème, c'est qu'il lui manque des dégâts, en fait. Hein. Bah là, il lui manque un peu tout, j'ai l'impression. Lucian 2, c'est comme après, la game d'avant, en fait. Si la Lucian 1... Après, là, ouais. Ça va, s'il arrive à tuer un perso en plus. Elle aura pas. On va pas tuer, c'est Léonard. Il fait trop bien de là, il se fait que forme sa mère. Aïe aïe aïe, là par contre 11 HP, ça commence à être critique. Presse. Ok, Bard, oh. Gnar, ok, ok. Il touche, hein, il touche les Gnar et tout. Après ils sont toujours niveau 1, donc ils touchent, mais... Là il faut du Teemo aussi, c'est ça? Teemo, Jhin. Dites-nous, expliquons un peu la compo, parce que je jouais pas quand même. En fait en frontline, t'as Bard, Wukong, Nautilus. Ok. Et parfois Blitzcrank. Ouais. En sniper, t'as Jhin et Teemo. Jhin, Teemo, ok. Là, il a Caitlyn pour tempo, donc c'est... Teemo, il coûte 4 gold. Et à ça, tu rajoutes deux mystiques, à savoir Soraka, Karma. Karma ou Lulu. Pour avoir Dark Star. Ok, c'est parfait. Et mystique, en gros, ça donne de l'ARM à toute ton équipe. Ah putain, pas un gant, mais... De la résistance magique. Après, les gants, il en a eu assez. Une belle serait bien, là. Ok, là, il avance, là, j'ai l'impression qu'il va vite. Ok, Jhin. Ouais. Là il fait sa transi. Ah, parce qu'il peut pas attendre là. Ouais, sinon ça commence. Trop faible. Là il achète les persos au niveau 4 pour. On pourrait essayer de tag pour les procs. Ok. Ok, Bard 2 aussi. Bard 2. Il y a Bard 2, je sais pas s'il l'a vu. Ah, il l'a vu, je pense qu'il l'attendait juste. Ok, donc là il a un peu all-in tous ses golds pour faire sa transition sur. Sa deuxième compo, mais là il l'a pas encore mis en place, du coup c'est normal s'il perd. Ouais, mais là il va commencer à prendre beaucoup d'HP. Hein. Il a truc que Léona. Personne, ouais. C'est quoi Gnar, frère? Ah, ça tient pas ici. 12 HP, c'est compliqué. Ouais, Lucian 1. Bah, en face, il a Lucian 2, triple item, donc je te cache pas. Bon, je pense qu'il va vendre son double gant pour le mettre sur Gnar. Ok, il a eu Wukong. Okay, Wukong, c'est ce qu'il cherche. Avoir chrono. Il y a le blitz. Le Teemo il veut pas tomber. Hein. Ok, c'est bon, il est là. Ah, toi t'as un peu d'avance. Il y a de l'avance sur nous. Ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, mais c'est parce que c'est vu que c'est chez lui, je pense. Ah si, toi. Ok. Là, il a sniper. Il lui faut Morello, c'est ça comme item sur. Ouais, Morello, Blue Buff. Ouh, il fait genre, tellement de trucs, il y a de la lumière partout, mon frère. On va peut-être dû mettre. Il a mis l'item gant sur Jhin, c'est bien ça? Il faut soit Blue Buff, soit Morello. Ouais, oh. L'item double gant, c'est bien sur Jhin. Ouah, ça, tout le monde s'est fait exploser. Après, mecha, il va pas. Ouais, le problème, c'est que le mecha, lui, il est bien. Il va faire des dégâts. Ah, là, le problème. Parce okay. Que mecha, c'est trop lent, il va se déplacer trop lent, pas en fait. Ouais, voilà. Et là, le bard, il stack la. Ouais, regarde, XP, 5 d'XP, c'est trop lourd, frère, c'est trop lourd, 6 d'XP. Bard 2, c'est fort, Kamel, parce que tout. Ouais, mais moi, côté, j'ai vu bard, je me suis dit, j'ai trop envie de jouer à ce jeu, wesh, c'est incroyable. Là, ça lui a donné 7 d'XP gratos, c'est incroyable. Teemo, c'est bien. Il y a tellement d'avance. Il faut juste les items sur Teemo, il lui faut une belt. Une belt pour Morello. Une belt pour Morello et une larme. Une larme pour Blue Buff, ok. C'est l'arme, je pense. Ok, en plus, ce qui est bien, c'est que le prochain round, c'est carousel et c'est item unique encore. Ouais. Ouais. Okay, si... Après des fois t'as des trucs dingueries. Oh, okay. Jhin 2 c'est game, ouais. Ça c'est game. Allez le vendre ce DI ça. Ouais, là il sait qu'il est là, il peut plus se permettre de perdre ouais. Gratuitement comme il faisait là. Là il est en mode. Une bonne transi en vrai hein, parce que. Ouais, ça va. C'est quoi astronaute, ça fait quoi déjà, j'ai oublié, tu veux m'expliquer tout à l'heure. Astronaute, ça demande moins de mana pour casse des spells. Ah ok. Aux astronautes. Ok, du coup dès que t'en as 3 c'est. Bah là il est mort. Ça start plus tôt je crois. Le mana au début, un truc comme ça. Je crois que tu stacks plus rapidement. Putain, je suis dégoûté, Teemo il est mort, frère. Il pue du cul le Gnar aussi, il fait que ulti une personne. Aïe aïe aïe, 10 HP, ça fait mal, 10 HP. Il faut Teemo 2 quoi. Et des HP pour qu'il puisse survivre. Après ça va, il est dernier au carrousel, du coup il va pouvoir sélectionner son item. J'espère qu'il va avoir au moins un des deux, soit Blue Buff, soit Morello.
Non, c'est un carousel full item. Ah, c'est le pire truc. Tu as vu, je t'ai dit, il y a une dinguerie. Bah, y a... Oh, guettez, là, y a un... c'est un mec qui joue cyber, le Echo double gant, c'est bien le ou pas c'est la vie de rêve. Je sais qu'avant, c'était incroyable. Là, là franchement, c'est pris un truc du jeu. C'est abusé. Au moment où il te faut une larme ou un truc et t'as un carousel full item. Mais ça va, ça va. Il faut qu'il t'empoche jusqu'au Corbin. Les Corbins, ça va tomber. Il faut qu'il tienne jusqu'à là-bas en fait. Le mec qui joue cyber, il l'a eu MDR. En fait, il a pas de Timo 2 là. Bah là, 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 de toute façon, vu sa game, il est obligé de survivre un maximum quoi. Ah, ouais. Là, il va pas jouer le top 1. Moi qui slam. Spellcase. Le problème, c'est que Timo est 1. Faut qu'il tombe niveau 2. Faut que la larme tombe. Faut que. Aïe aïe aïe. Là, il faut une larme, une belle Timo 2 et il est fat. Fat ouais, l'armure, faudrait qu'il la mette sur quelqu'un, non? Je sais pas. Ou il attend de voir. Ouais, il attend. Il attend de voir. J'ai un Titan. Titan. T'as un Shroud, tu vois, peut-être. Un Shroud aussi, potentiellement. En place, hein. Ok. En face, il est bien ou pas? Il y a Timo. Moi, tant que je vois Timo envoyer des. Oh, ok, pas mal le Gnar. C'est bon, c'est bon. Oh, maître Yi. Non, c'est mort. Petite défaite, encore. Broken, maître Yi. Il faut Timo 2, frère. One of Wukong et Timo 2. Là, il est en train de survivre. Là, il serre les fesses, là. Il roll beaucoup parce qu'il sait que ça change. Bah ouais, mais là, dans tous les cas, il est obligé de roll, hein, les gars. Il peut pas se dire, oh, j'ai le tempo. Faut prendre là, sa chance. Le carousel, ça l'a vraiment cuck. Après, ça va, il a 28 HP. C'est pas comme s'il pouvait perdre le prochain round. Bah, le seul problème, c'est qu'il y a la moitié du lobby qui a 60 HP et ouais, plus. Ouais. Tu vois. Du coup, le temps, en fait, faut qu'il fasse un comeback de fou furieux pour. Ah, c'est ça. C'est vraiment gold. Le prochain PVE hein, qui va faire un truc, qui va dire. Ouais, si c'est ça, c'est ça. S'il peut comeback ou pas, ouais. Il va falloir de la chatte le prochain PVE. On en a pas eu toute la game donc. Après, ce qui est bien avec cette compo, c'est que vu qu'il a de l'XP gratuit, il peut se permettre de roll. Ouais, c'est ça, c'est un peu. C'est pour ça qu'il roll depuis tout à l'heure, un peu n'importe comment. C'est que. Il va pas avoir besoin d'XP vu qu'il est. Le GA va pas suffire, non. Après, ça va, là, c'est une mini défaite, 6 HP, on prend. Mais bon, là, ça commence, ça commence à être. Ça commence à être Pandax. Si le PVE lui donne pas le perfect item, tu peux. Ouais, faudrait au moins aller chercher un top 6. En vrai, je pense vraiment s'il touche Timo 2 avec les perfect items, il peut au moins top 4, je pense. Bon, là, on est dans. J'ai pas l'impression qu'il y a trop de infiltration. Ouais, mais. Perfect item plus Timo 2. Ouais, c'est ça, là, ouais, tu nous demandes. Bah, au final, c'est une belt, une arme. Ouais, mais il y a plein d'items dans le jeu, genre. Il y a Timo. Ok, il a la belt, la larme. Non, il n'y a pas de larme. Oh, tu peux faire un GA avec ça. Je peux faire un Shojin. Oh, Timo 2, Timo 2, Timo 2. Ouais, c'est bien. Timo 2. Je peux faire Shojin GA là. Shojin, après, c'est pas si fort que ça, Shojin, tu vois. Mais ouais, parce qu'il reste trop frais. Il est obligé, il a pas beaucoup de mana. Pense. Déjà, la mana, t'es obligé de la mettre dans tous les cas sur Timo. Il va attendre pour mettre ses items. Là, il regarde le placement. Il a eu un. Ah non, c'est le Zephyr du Gnar. Allez. La sortie Blitz pour avoir. Ou bien il va peut-être GA s'il se fait focus le Timo. C'est peut-être le Plays aussi. Ouais, c'est sûr. Ok, GA sur Gnar. Ok, bah non, il a pas. Shojin sur Karma, comme ça, mais full cast. Si y a... okay. Ok. Dommage parce que. En vrai, il faut vraiment un blue buff, tu vois, sur. Ouais, mais là, après, mon pote, tu vas pas attendre 3 heures non plus. Il y avait 2 rots ou je rêve en face. Là il perd là hein. Ouais là il perd mais il perd beaucoup en plus hein. Attends. Le Timo. Oh, ok, il a pu tuer 2-3 unités à la fin, du coup elle ça. Sauvé, hein. Il lui faut chrono en fait. Il a pas chrono. Putain. Là il va rentrer chrono mais ouais, il voilà. A 0. Oh putain. What the fuck. Le doré. Oh, c'est doré, ça brille. Il a double Zephyr. Ah là il a toutes les synergies, j'ai jamais vu ça après. Ouais mais c'est compliqué. Ouais. Là ça fait Mystique. En vrai il y a pas mal de Syndra et tout depuis le début de la game, donc Mystique ça.
Après, il vient d'en affronter une, du coup. Ah. Après, il avait déjà mystique. Hein. Ah, il avait déjà, ok, je comprends. Bard, ça donne mystique, ouais. Ah, j'avais pas vu, j'avais pas vu. Juste que, tu vois, là, son jean, par exemple, il a des items de merde. Ouais, ouais. Dégâts, quoi. De toute façon, tout est sur Timo. Il y a que Darkstar qui lui permet d'avoir des dégâts là, c'est tout. Rabadon. Un HP, le Echo. Oui, out. La Vayne qui peut tuer. Ah ouais. Attends. Il meurt pas ? Si, il meurt. Oh non. Ah non, il meurt pas, ok. Wouh ! Bon, déjà, c'est pas top 8. Il tombe 2. C'est un miracle que ça soit pas top 8. Allez, faut survivre là. Pas plus, hein. C'est vraiment un miracle. Hein. Là, c'est vraiment le carrousel. Ouais, mais faut y aller au carrousel, mon frère. Faut y aller. Bah oui. Ça va, il a là, le Giant Slayer, c'est pas mal. Là. Ouais, franchement, ça mal, change hein. Tout. Bah, il a dit c'est le carrousel qu'il nous faut pour survivre, mon gars. Non, mais genre, ouais. Un bon carrousel, ça peut être game changer. Après, quoi. Le carrousel, celui qui va décider, c'est le dernier du lobby qui décide. Notre pote Adastra, il se fasse marcher dessus là. Oh putain de merde, c'est beaucoup de culture Adastra. Ah, la mystique. Le GP. Ah, mais c'est GP, c'est dégâts magiques. Ouais, ouais. Aucun oui. GP, frère. On va mettre un gros truc. Il y a des systèmes de malade mental là. Ouais, là. Ouais, c'est loose. Oh non. Oh, Timo, ouais. Il a. Mais c'est quoi ça, frère? C'est GP. GP, perfect item. Mais et 2, il était 2, non? Ah, bien sûr, GP 2, perfect. Combien à 8700 de dégâts? Top 7, c'est combien de points, top 7? 2 points. 2 points. What the fuck après, hein. Ouais, non, c'est pas terminé, hein. Mais c'est pas terminé. C'est relou, quoi, quand même. C'est pas terminé, mais wesh, le GP, il a tué tout le monde, frère. Pas de regret, il y avait pas de blue buff ici. De toute façon, là, il avait... Sachant qu'AlphaGo, il a fait top 8. Ouais, AlphaGo était top 2 la game d'avant, donc ça nous arrange que ce soit lui... Ça nous arrange que ce soit lui le dernier, là. What the fuck? Il pouvait rien faire, ouais, sur cette game. Bah là, sur cette game... Ouais, il a vraiment pas de chance. J'ai l'impression que il a joué parfaitement. Il peut rien faire. Arrête, je sais pas s'il a joué parfaitement parce que je connais pas assez bien le jeu, mais. De ce qu'on voit là. Bah déjà, il a eu 4 gants. 4 gants dès le début, faut pas abuser quand même. Et non, en fait, le pire moment, c'est le carrousel où il y a. Ouais, ça aussi. Il y a une larme. Et qu'au lieu d'avoir Blue Buff sur son Timo. Il a une larme. Je me rends pas compte du Blue Buff. Blue Buff, c'est comme le double tir à l'ancienne aussi. C'est juste qu'ils ont changé le skin. En fait, Timo, dis-toi, je crois qu'il a 40 de mana. Donc dès qu'il a Blue Buff. Je crois 30 ou 40, donc il recaste instant, tu vois. Ah ouais, ça veut dire, ok. Ah ouais, vu le cast de Timo, c'est incroyable. Ouais, vu que comment c'est fort Timo, avec le Morello, c'est parfait. Boubeuf, il casse un jeu. Ah, tout à l'heure, wesh, il a mis des shrooms, il a one-shot la moitié de l'équipe adverse. Et là, faut espérer que les mecs qui avaient mal joué la game d'avant, ils recombac et que... Ouais. AlphaGo, il était... Ouais, il était dans le top, quoi. Ou... En vrai, ce serait bien aussi. Ce serait bien que Juanzi il top 1 lui, genre. Comme ça, ouais, tu vois, Juanzi, il est loin devant. Ouais, comme ça, il est loin Cupidas, devant, il au calme. Fait combien top 5, hein. Je sais pas, je crois qu'il avait fait un top. Du coup, là, il a 5 points. Je crois que c'est ça, ouais. Cupidas, il va top 1, 100%. Après, le GP aussi, il est. Non, mais je lui ai déjà dit le micro de côté, faut qu'il se rapproche. 4 plus 2, ça fait. Ah, désolé, il a 6 points, ok. Je suis pas chez moi, c'est pour ça. De toute façon, il reste 3 games. Non, c'est quand même. Il y a le temps, il y a le temps. Il faut juste faire top 4, hein, c'est tout, les gars. Pas besoin de top 1. Ah, c'est ça. Là, il a pas besoin de gagner d'être top 1. Parce que dans tous les cas, après la finale, ça sera avec les 4 autres qualifiés. Donc, il n'y a pas d'histoire de seed ou genre si t'es top 1, t'es mieux. Ça change rien. Faut juste être qualifié. Il a 7 points, j'en sais pas. Et ouais, il a 7 points. Ok, il y a un truc pour les groupes, tu l'as envoyé Fatih, je crois, non? Ouais, c'est. Mais c'est actualisé en direct ou pas? Ouais, ils actualisent. Enfin, là, pas cette game là. Ouais, après la game, ouais, je veux dire. Putain, lui, il est tellement strong, Juanzi là. Pourquoi envoyer le site à Stacy et lui demander de faire une commande, Fatih? Bah, c'est, en fait, c'est Breakclip, donc je sais pas si tu veux mettre ou. Parce que ouais, c'est tu pas peux, hein, tu là. Peux. Ouais, tu peux. Il fait un petit top 1, il remonte de toute façon, ouais. Là, il a vraiment pas eu de chance sur les deux games. Déjà, la première qu'il a réussi à faire top 4, c'est un miracle. Et là, en voyant à chaque fois, il a rien touché, il a pas fait top 8, ça me va, moi, c'est un point de plus. Tranquille, les gars, tranquille. Tranquille, y a rien, il reste 3 games. On est même pas encore à la moitié du tournoi. On est même pas encore à la moitié du tournoi. Moi, ce qui est bien, c'est que AlphaGo, il a fait aussi un mauvais ouais, top. Ouais, ça, c'est bien, coup, ça équilibre la game. Miss Match Sox, attends. Match Sox, lui, il était top 3, non? Ouais, top 3. 6 points. Espérer qu'ils sortent aussi. Alors on avait... Attends, je vais te redire les tops. On avait Juanzi top 1, AlphaGo top 2, Mismatch Sox top 3, Double top 4, Cupiditas top 5, Slooper top 6,
Adastra top 7 et Panda top 8. Ok, okay. Panda il est top 3. Ok. Oh, Juanzi. En fait, Slooper, Panda et Adastra, c'était les derniers. Et Cupiditas il était 5ème et Juanzi premier de la game d'avant. Il y en a un qui joue 4 pirates quand même, c'est un malade mental. 4 pirates, c'est... tu peux avoir des items sur les. Ouais, tu peux avoir des items, ouais. Incroyable, quelle vie de rêve. Son GP, il est. Ouais, il one shot tout le monde. Incroyable. Mais lui, il a top 1, lui, là. Il s'appelle comment? Attends, c'est lui. Non. Il a eu une spawn, il a eu GP. Franchement, c'est une dinguerie, sa compo. Là, c'est abusé. Il est tellement vite en plus. En vrai, il a eu vite. Parce qu'il avait le niveau 2 avec des améliorations en plus, c'est ça le truc. Plus tout. Les trucs qui tournent autour, ça, là ça veut dire qu'il a une amélioration, c'est ça? Ouais, il en a qu'une seule, ouais. Okay. Je sais pas c'est laquelle, je connais pas, mais... Je crois que c'est double impact ou un truc comme ça. Parce que tout à l'heure, quand il a ulti, il y a eu deux ulti quand il a ulti. Oh, il a pas cast son GP là. Il a pas encore cast, non, parce qu'il y a eu Mana River, il va cast. Ouais, ils sont partis. Voilà, tout le monde est mort. What the fuck? Oh, la veine qui se fait hook derrière. Il a one shot toute sa compo. Il a une spat, il y a peut-être... S'il a encore une spat, il peut rentrer un perso, c'est n'importe quoi. Il a one shot toute la compo adverse. Ok. Ok, Adastra qui sort. Adastra, il était dans les derniers tout à l'heure, donc vas-y. C'est... Et Miss Match Sox, lui, il a fait top 5. Top 3. Non, mais là, du coup, il fait top 5. Top 5, c'est bien. C'est vraiment... Ouais, du coup, ça équilibre. Il prenne pas trop d'avance. Ouais, c'est ça. Il reste rattrapable. Mais bon, va falloir avoir un peu de chance pour les games d'après. Il y a deux et demi co, lui. Et il l'a pas mis sur son écho. C'est un troller, hein. Comment, frère? Mais il y a un mec, il a 18 000 items sur son board. Ça, c'est le joueur de pirate là. Pirate. Gros, ah ouais, c'est parce qu'à chaque fois. À la fin, quand tu joues pirate, tu sais même plus faire quoi faire. Ok. Ouais, parce que. Bah oui, mais parce que tout à l'heure. Ah ouais, mais un croc de dragon. Bah ouais, mais c'est ça, mais des trucs quoi. T'as vu, il joue contre un mec qui a full dégâts magiques, il veut pas de croc de dragon. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, mais quand double il a perdu contre lui, il a. Ouah, mais tous les items, frère! Par contre, ouais, c'est un truc où mais quand t'es vraiment sur top comme là, tu vas farm tellement d'items, c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi là. Ouais, mais c'est tellement. Il peut avoir... Attends, me dis pas, il peut avoir une spatule avec ça. Oh, si, mais si, il en a une juste avant là. Ah, ok, je croyais qu'il l'avait déjà celle-là. Il a GP2. Il va l'avoir 3, frère. Non, s'il a GP. Bon, faut avoir. Il est en game. C'est une game fun là, wesh, pour lui. Merci, Nicolito, merci mon gars. Recast comme on aime, merci mon gars. Pour l'instant, on est un peu tendu. Mais j'espère qu'il va pouvoir faire des top 1 et tout. Attends, il a une icône en plus, hein, je te jure, il peut la faire. Il va tenter. Il hein. va faire GP3. Ah, mais c'est sûr. Voilà. Il est en train de péter un plomb double. Il est en mode. Moi, j'ai... Double, il a. Hey, double, il a roll 50 fois pour Timo 2. Il l'a pas eu, lui. Il va avoir GP3. Je veux taper sa tête contre le mur là. Et GP3, je crois que c'est 9000 de dégâts. Je vais regarder la dernière fois. Ah, c'est imperdable. Avec 2-3 améliorations derrière là. Tu mets les 3 améliorations, tu fais le GPI. Il a troll là, il a troll l'ulti. Mais Get, son ulti, ouais, c'est double impact. Il a proc deux fois. Regarde sa jinx, elle est trop. Regarde son Aurélion, frère, wesh. J'ai pas vu Aurélion des stuff en fait. Ah ouais, mais y'a rien. Voilà, j'ai dit qu'il allait gagner, je l'ai dit. Hein. Ouah, 2 GP2, c'est. Ouais, GP au carousel là. Je jure, j'ai trop envie de voir GP3. Mais Get, le nombre d'items complétés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Remets. Vas-y, putain. Il avait... Mais lui, il veut pas mettre ses 2 aides de Nico, lui, je sais pas ce qu'il attend, frère. Il veut Irelia 3, mais la game, elle est finie, là, mon frère. Garou double. Stop, on met le double GP, s'il vous plaît. Bon, il a mis Thresh en plus. Prends rien à ce qui se passe, là, il va rajouter... Oh, ah, il va... son GP, il fait en mal fait, à il la va tête mettre... Ouais, il va faire 2 GP, incroyable. Ah ouais, ah, le bâtard. Ah, lui, il veut pas rigoler, frère. Merci, Gocha, 29 il est Nico, en plus, le GP. Juanzi, ouais, Juanzi, il a top 1, du coup, c'est ce qu'on disait. C'est intéressant qu'il retop 1, histoire d'être au max, quoi. Et l'autre, comment il fait pour pas slam ses 2 aides de Nico, je comprends toujours. C'est un troller, c'est tout. Attends, comme il va mourir, là, en plus. Bah ouais, c'est ça, là, c'est impossible de le faire. C'est bon, c'est frère. Ouais, il veut Irelia 3. Regarde, boum. Ah, mais bon. Bang, bang, le double impact qui arrive maintenant, ouais, voilà. Aurélien, jamais, il meurt. Et là, il y a un autre ult de GP. Voilà, il y a encore un ult de GP. Ah, il a encore... Oh, what the fuck, frère, mais c'est incroyable. Après, c'est super dur à avoir, cette compo. Ouais, non, c'est... Le setup qu'il a là, c'est n'importe quoi. Bah là, il en avait un contre Cupiditas. FF, hein. Tu vois la game de double, bah lui, il a eu tout l'inverse. À part si le gars, il a... Irelia 2, mais non, il va jamais l'avoir. FF, hein. En plus, il a Aurélion Sol 2. Il lui manque une Irelia. Ouais, mais vas-y, bonne chance. Je te jure, Irelia 3.
Il y a une chance de one shot tout, mais... Oh, elle est arrivée, je crois. Ah non, c'est Echo 2. Jamais gagne, en fait, jamais gagne. Mais ouais, je le regarde l'autre. Et Koto, il a 15 avec... items, il a 15 items par perso. Et Koto, il a fait avec une net de Nico. Là, il peut mettre une trappe clou en plus, hein. Contre l'Irelia. Il veut pas jouer. Il lui, mais de toute façon, moi je serais comme lui, pareil, y'a rien à faire, c'est fini. 2 GP2, c'est bon, frère. Qu'est-ce que tu veux de plus? 2 GP2, itemisé. Et 2A. Regarde, y'a 50 ulti GP, toute la map elle est sous ulti GP. Franchement, GG à lui, il a 29. Sa game, elle devait... Sa game, elle devait être trop fun. C'est trop bien, frère. Sa game, elle devait être trop fun. Attendez, je vais changer le... Merde. Ça va réenchaîner, j'espère. Ça n'a aucun sens, sûrement. Désolé pour le son des alertes. Putain. J'espère qu'il va gagner, putain. Les items. Ah non, mais c'est abusé. Tu fais une game comme ça, t'es trop heureux, hein. Ça finit à quelle heure? Bah, il y a 5 games, on est à la 2ème et là on va passer à la 3ème game. Il a volé les items à double. Attends, ça vole les items ou ça crée des nouveaux items? Ça crée des nouveaux. Ouais, ça crée des nouveaux, ok. C'est juste un moment, il lui a pris l'item qu'il veut double voler ou... Ouais, ouais. Ou je sais pas, tu vois. Si, si, il a pris l'alarme, il a pris l'alarme. Je crois. La coupe, ah mon gars. Je suis un geek. C'est quel jour la finale? C'est demain. Il a bien joué l'early donc bon. Bah ouais, mais c'est compliqué ce jeu, hein. C'est compliqué, hein. Tu regardes double, il a tout fait pour comeback. C'était compliqué. Il fallait quand même un peu de chance. Faut top 1-2 là. Ouais, là faut commencer. Là, on peut plus trop se permettre des petites games top 5, top 6. Là, il faut assurer des bons tops. Là, va falloir toucher un peu. Ouais. Trop, c'est boss, putain. Merde, attends, faut que je coupe le son. Si jamais carousel, ça se dit carousel et pas carousel, car ça vient de l'italien caruzzello. Attends. Ou une connerie du genre, ça me trigger à chaque fois, mais tranquille. Ah, désolé, carousel. Merci à Cox pour les 4. Jure, ça te trigger, abuse pas, frère. Carousel. Juanzi, on l'a vu se lever sur sa POV, il a pas regardé le dernier fight, c'est le flex ultime. Il a raison, ouais. Jure. Moi, ça va être le carousel. En vrai, il a raison. Non, moi, j'ai rien dit, hein. Je n'y connais rien, je vais pas faire le mec. Merci, Mikaz, merci pour les 6 mois. Tu veux son insane bro, t'as fait quoi? Frère, je laisse pousser là, ça arrive. Je peux bientôt attacher là, d'ici un mois j'attache. Carousel. C'est quoi les cash prizes des Worlds là? Il y a 200 000 au total, le premier il prend 40 000 je crois. Et après c'est régressif. On n'a pas vu les niveaux des autres joueurs, mais honnêtement cette poule a l'air tellement plus forte que l'autre. J'ai pas vu l'autre poule, je vais pas te mentir. Ouais, tout le monde le dit qu'elle est plus forte que l'autre. J'ai survolé l'autre poule un peu, mais là ça a l'air d'être sérieux. De toute façon c'est les Worlds les gars, y a pas... En vrai il n'y a pas de joueurs nazes, c'est les Worlds quoi donc... C'est les Worlds, y a pas, tu vas jamais tomber sur un mec qui sait pas jouer. Il y avait 3 qualifs par région, donc bonne chance quoi. Là c'est une game de fou frère, 4 gants. Non vraiment, les 4 gants, avec... en plus tu peux faire avec 4 gants frère. Y a pas de perspective d'avenir frère, y'a rien à faire. En plus après toucher des items de merde. Au moins il a pas top 8. Ouais, ça va. En vrai moi je voyais partir une autoroute sur le top 8 là. C'est qui a top 8? C'est le Turc? Non, c'est AlphaGo. Celui qui a fait top 2 la game d'avant. Vas-y, let's go double. Les gars, réveillez-vous dans le chat. Si vous nous aidez pas, qui va nous aider? Envoyez des fumis, murs bleus, drapeaux. C'est parti, les gars. Remettez un peu d'ambiance là, c'est parti. Donnez-lui de la force à double. Il doit sûrement regarder le chat, même s'il a pas le droit. Focus-toi sur ta game. J'espère que ça va bientôt repartir. Et c'est bon, ça part de là, let's go. Rien n'est joué, il reste 3 games. Merci Kakiro, merci pour les 25 mois. Merci mon gars, il faut qu'il réussisse. J'ai confiance, c'est le meilleur joueur du monde. J'ai totale confiance en lui. S'il touche, c'est game. C'est bon, let's go, voilà, là il va avoir toutes les fumées. C'est game. Eh oui mon gars, eh oui. Point creep, il n'y a pas de point creep malheureusement. Ça me manque, c'est vrai. Top 1 là, on va voir. On va voir en espérant qu'il arrive à toucher dès le début. Parce que là, même dès le début, il arrive jamais à avoir sa petite synergie ses persos niveau 2. Genre, il avait je sais pas combien pas de doubles. Du coup, en fait, si t'as pas de bon early, t'es un peu sur le fil du rasoir, quoi. Tu fais que de. Comment dire? Tu fais que de t'adapter, en fait. Tu fais que subir. C'est ça. Je crois que ça vient de lancer. J'ai cru entendre un bruit de match accepté. Ah ouais? Moi, j'ai enlevé le son, du coup, je sais pas. Si, ça lance. Ça lance, let's go les gars, c'est parti, donnez-lui de la force. C'est parti. Donnez-lui de la force, le champion d'Europe, champion de la K-Corp, c'est parti. Alors, il a fait top 4, top 7, je vais vous maintenir au courant, même si ça me fait mal au cœur d'écrire ça.
Galaxy. Et du coup, au classement. Big Bang. Galaxy Big Bang. La nouvelle galaxie, les gars. La nouvelle galaxie, ok. Donc il y a le rôle. Il a dit qu'il l'avait joué, t'inquiète pas. Donc la galaxie Big Bang, ça regroupe trois galaxies différentes, c'est ça ? C'est ça. Donc t'as le rôle gratuit, si je me souviens bien. C'est ça. T'as la fun. T'as le perso gratuit niveau 5. Ouais, c'est ça. Et t'as deux items par perso, c'est ça ? Non, t'as une box dans tous les. Dans tous les creeps. Ok, donc là, tout le monde va avoir plein d'items. Du coup, tout le monde, vas-y, c'est parti, quoi. Plein d'items, plein de gold. Ah merde, faut que je mette game 3 sur 5. Ok. Juste là, le classement, du coup, Double, il se retrouve 6ème au classement avec 7 points. Et le 2ème du tournoi, c'est Cupid Gitas, il a 11 points. Et le premier Le premier, il a 16 points, lui, il a envolé déjà. Il a fait double top 1. Ouais, c'est. Enfin, c'est... Attends, genre, il est combien Double fait... Il est combien 7. En gros, ça, okay. 6, ça fait 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genre, le classement, c'est ça, quoi, en termes de points. Ok. Genre, c'est full serré. Ouais, un top 1 et c'est reparti. Ouais, il peut s'envoler. Du coup, là, il faut des arcs pour le jouer, donc là, il va sûrement le vendre. Acheter tous les petits. Les Ziggs. Si, il a dit qu'il avait joué, mais ça, c'est nouveau. Après, il n'y a pas que lui qui l'a pas, enfin, qui l'a peu joué, vu que c'est sorti hier. Donc, Il considère pas Ziggs 2 avec un gant, à mon avis. Après, là, vous m'avez dit, il y a une box à chaque truc, donc il peut avoir déjà plein d'items, quoi. Ouais, là, il va avoir 3 items ou perso, tu vois, mais il va avoir 3 trucs, là, vu qu'il y a 3 trucs. Ouais. Des gold. En vrai, j'ai l'impression que c'est plus. C'est plus faire comme ça, quoi. Ok. Ok, là, c'est QSS. Du coup, il peut partir mecha avec ça, c'est ça? Ouh, Vayne. Ouais, mais mecha, truc QSS en early, c'est pas très... Ouais, on dirait une game cyber et c'est une bonne galaxie pour jouer cyber. Ouais, franchement. Okay. T'as full item. Tout ça. Alors, t'as full item, donc... Ouais. Ouh, la petite Fura 2, ça fait plaisir. Il est vraiment après, bien, la hein. Poppy 2, ok. J'adore, là. T'adores, ça, hein. J'adore, frère. Ok, les gars, ça sent bon. Ça, c'est une belle ça sent bon pour l'instant. Pour l'instant, là, c'est un bon start. Après, ça veut rien dire par rapport à la suite de la game. Mais lui, je me rappelle quand il avait fait les qualifs des Worlds, il disait que ça c'était vraiment une des meilleures galaxies pour jouer Cyber. Parce que... Oh là là, carrément, il a touché. Ok, c'est bien. Ouais, du coup, il va avoir un double sniper. What the fuck? Ok, ça commence sur le chapeau de roue. Après, dites-vous, tout le monde est pareil. Hein. Tout le monde est super bien. Il y en a 3. Ça arrive, ouais, hein. Ça se tente, hein. Ça arrive dans les bacs, hein. Ça arrive dans les bacs. Bah, avec le rôle gratuit. Ok, il let's go. Il va vendre tous les trucs en du milieu, il push. Ouais, là, il va passer niveau 4, il va mettre double sniper, c'est ça? Ouais. Ou, ouais. Ça. Double sniper. Ou Vanguard. Ah non. Cyber. Pas cyber, ouais, je suis fou. Ok, cyber. Ah oui, c'est vrai que Vayne, c'est cyber, je suis bête. Cyber, Vanguard, la Leona niveau 2. La Vayne, elle a la Swisper. Let's go, vas-y, let's go. Allez, double. Allez, c'est parti, les amis. Il a fait quoi game 2? Il a fait top 7, c'est écrit juste en bas. Là-bas. Et là, il a une vraie frontline, c'est ouais, parfait. Ok, là, pour une fois, il a un bon early, ça commence bien. Vas-y, on respire. Là, on respire. Et là, vous voyez, ça... en plus, il a fait les bons choix parce que vous parliez de ZX2 et tout, mais ouais. Ça se voit que lui, il cherchait vraiment ça, tu vois. Il a vendu tous ses autres persos 2. Après, on rappelle, hein, moi, je suis un pauvre clochard, donc en termes de décision, voilà. En fait, non, mais tranquille, là, mais c'est bien, c'est bien d'avoir vos avis comme ça, tout le monde partage c'est et tout. Il aime très fort les cyber, et en plus de ça, il aime beaucoup les jeux la compo. On a vu, hein, la Leona. Ah, ça se tente, hein. Franchement, c'est fort, hein, Leona. Il y en manque deux. En fait, tous les persos Leona, enfin, tous les persos niveau 3, c'est lourd, quoi. Ça vient naturellement, en fait. En fait, vu qu'il y a le rôle gratuit, tu as de grandes chances de la toucher. Tu vois beaucoup plus de persos, quoi. Mais je crois que personne joue Leona. J'ai vu un mec avec Leona, mais vas-y, il avait une Leona 1. En fait, les persos game, niveau 1, il y a beaucoup plus de persos dans le pool. Ouais. On est d'accord. Si tu joues pas cyber, en général, tu préfères des Nautilus qui ont du CC, etc., qu'à des Leona. Donc, du coup, il a plus de chances de les tuer. Lui, il joue Battlecast. Lui, ça va être dur de le battre, non? Je sais pas. Ouais, lui, ça va être dur, ouais. Après, la Vayne, elle a la Swisper. La Swisper, c'est contre l'armure, c'est vrai, c'est Giant Slayer, désolé. Je ne m'en rappelais. M'excuser, les mecs. Pas de problème. M'excusez ? Ok, merci les amis. Elle tank la Leona, hein, dès qu'elle est sous shield. Genre en gros, ça fait un effet. Bah, il a atomiseur en face aussi. Du coup, ça tape tout le monde. Et vu qu'il a red buff, bah, il met de l'anti à tout le monde, sniper, c'est sûr. Hein, il a pas sniper, il fait 0 dégâts là. Ouais, pour l'instant, la Vayne n'a fait rien là. Attends, Caitlyn 3 ? Caitlyn 3, hein ? J'ai tenté, hein, pourquoi pas. Est-ce que Caitlyn 3, c'est mieux que genre. Normalement, c'est quoi l'autre sniper ? T'as Ashe, t'as Vayne. Ah, c'est Ashe. T'as Jhin. Ouais, non mais Ahmed, dans cette compo c'est H parce que t'as... Hein. Maintenant tu peux aussi jouer tu peux aussi jouer Caitlyn et tu mets que 2 chronos ou 4 chronos, tu vois, en fait ça dépend. Ok. Tu peux rentrer Shen ou Kong et Thresh et avoir 4 chronos.
mismatch sucks. Il a déjà un Giant Slayer en face, mais il a pas les, les meilleurs persos. Après, lui, je crois qu'il joue Shredder, non? C'est une compo hyper roll en mode ouais, stuff avec Zaya. Ouais, okay. Il l'a bientôt. Ah ouais, ok. Je me disais... Il a 20 gold en plus, frère. Il est bien. Trop vite, Zaya. Gold en face, mais... La parade, qui va tanker 50... Parade, 50 auto-attaque. Est-ce qu'elle va... Elle peut gagner la Vayne? Elle peut gagner, oui. Faut qu'elle roulade, oui, c'est game, c'est gagné. Oui, en effet, c'est gagné. Le meilleur joueur américain qui dégage. Ok, carousel. Carousello. Dernier pic par contre. Ouais, avant-dernier. La BF. Ouais, mais il pique en dernier en fait. On va jamais l'avoir la BF. Ah ouais, parce que c'est en même temps, je suis con. Même au pire des cas, après la spatule, genre jamais il l'a encore. Peut-être. Après, est-ce qu'il a besoin de la spatule en vrai? Bah, en gros, jamais. C'est toujours bien quoi, ouais. Pour le late game, ça va être trop. Il y a un monde de récupérer un BF là. Attends, BF il l'a. Il y a un monde où il a la... la BF, les amis. Ah bah là, c'est BF, hein. Okay, okay. Ah ouais, c'est pas tu, ok. Non, non, incroyable c'est d'avoir la BF, par contre, ici. Du coup, il va avoir, BF, il peut avoir Giant Slayer... Ouais, Giant Slayer, c'est important sur c'est sa voisine. J'ai tout appris, les gars, j'ai tout appris. Volta, il s'est qualifié tout à l'heure, ouais, il a même fait top 1 de sa poule, il a explosé tout le monde, en vrai. Ok, très bon Carousello, il faudra... continuer. Moi, je pensais perdre des golds, là, avec Caitlyn. Ouais, mais la rentabilité, c'est la 3. Caitlyn 3 moi. Ouais, moi aussi, je ok, ça va, t'es-je? Oh, Caitlyn, je vais voir des trucs niveau 3, moi. Ah non, il a gardé, là. Eh oui, les gars, vous connaissez rien, laissez-moi, je connais mieux. Je joue comme double un peu, non? Ouais. Non, ouais. T'as, il a encore vu, il a pas vu bouger sa Fiora à cause de Caitlyn. Il n'y a pas d'infiltrateur, ça va. Attends, il y a deux mecs qui jouent Battlecast, du coup. Ouais, ça, ça se deny, ça c'est parfait, ça pour nous. C'est Gucci. Mais bon, il faut vraiment qu'il s'adapte. Au pire, dis-lui à la game d'après. Genre. Après, je pense qu'il doit savoir. Mais ouais, pour le ping, quoi. Parce que j'ai l'impression à chaque fois, il oublie. Et il joue comme s'il était en EU. Et ça lui demande genre une demi-seconde de plus. Après, je pense même si tu dis, je pense que ça change rien. C'est... Ouais, c'est toujours ça. Hein. Peut-être que ça va le faire penser à un round. Chaque fois, Ouais, c'est ça. Ok, pour l'instant, il est bien. Top 2, 96 HP. Il va falloir qu'il win la prochaine pour avoir la chain win. Il a perdu que contre AlphaGo qui lui a ruiné sa chain win et qui lui est en chain win. Okay, Lucien, c'est bien. Il y a Timo. Ah, Timo là, l'astro. Ça sert à rien, ça sert à rien. Ouais, je sais. Ouh, Leona. Oui. Une petite Leona 3. Après, la vaille, ça coûte trop d'économies. Je connais maintenant. Ouais, c'est bien. J'apprends vite, hein, shooter. Ouais, en fait, le problème, c'est que si tu joues pas vaille avec un truc genre. Merci, Ardo. Hein? Il y a beaucoup de plus-value avec vaille. Ouais, c'est ça. Bah, avant tu jouais vaille avec. Bah, c'était la compo de Fatih, de noob là. Avec des bagarreurs là. Que des bagarreurs, puis Jinx. Brawler Blaster. Ouais, voilà. Il est parfaitement placé, là. Compo de Noublar. Bah là, il est vraiment bien placé parce que t'as les infiltrateurs en face, ils peuvent pas toucher ça. Ouais, après, Kate... Sa Vayne. Kate, il avait deux Kate 2, mais du coup, il faut en toucher 3 autres, et vu que là, ça va level up. Bah là, le problème, c'est que la Vayne, elle a pas de Giant Slayer, du coup, et vu le nombre de Malphite qui est en face, c'est compliqué de les tomber, là. Il y a beaucoup d'HP, en face. Après, là, c'est bon, là, elle va tuer le Nocturne. Bang. Et là vraiment ce qui a joué c'est le placement parce que Vayne elle était free alors que d'habitude t'aurais pu avoir les infiltrateurs sur elle. Nocturne l'aurait tué tu vois. Ouais. Il aurait jump dessus. Je pense qu'il l'aurait avancé. Mecha frère. Avec Attends, mais Mecha ça se joue... Ouais bah oui ça se joue pas avec ça. Non non. Il va peut-être juste... Là il va garder. Après ouais ça peut deny les autres en attendant. Ah ouais. Ah ouais il peut faire. Après ça coûte 3 persos quoi. Ouais non c'est impossible. Non mais ça coûte 3 persos frère. Ouais non ça coûte trop d'économies en fait et il a trop déjà beaucoup de choses. Mais c'est juste, c'est abusé que... Qu'il y ait un mecha comme ça, ouais. Un mecha offert comme ça, là. Si c'est arrivé, genre, 3 rounds avant, il y a moyen qu'il switch. Le problème, c'est que la suspeur en mecha, ça se joue pas du tout, tu vois. Ok. Du coup, ouais, la suspeur, ça se joue ouais, pas. Ouais, du coup, il a déjà cela, l'item. C'est pas tu le sais bien, ouais. On... Tulle très très bien. Et baguette, ok. Yonik sur Leona, hein. C'est incroyable. S'il a 3. Et c'est parfait, Yonik, je pense. Let's go! Leona 3, mon pote, elle est intuable, mon frère. Je pense que c'est une Yonik, hein, non? Côté. Yonik ou. Oh, de quoi? Yonik, c'est possible, ouais. Bah, vu qu'il y a tant que sa mère, Yonik, en fait, le principe de l'item, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un mec qui casse, qui fait un spell en face, il prend 200 HP, c'est ça, de dégâts? Ouais. Bah, HP, okay. Je sais pas. Mais... Non, je sais plus, ok. Et du coup, bah, vu qu'elle est ultra tanky, ça proc plein de fois. C'est résistance magique, si je dis pas de bêtises. En plus, ok. Let's go double. Mais surtout qu'elle va tenir longtemps, donc elle va pouvoir proc beaucoup de fois. Ouais, c'est ça va proc en balle. On est tellement tanky, frère. Regarde les auto-attaques. Mais là, le Blitz en face, il a hook. Pourquoi il a pas pris les dégâts du Yonik?
Ah, parce qu'il faut qu'elle soit proche. En fait, t'as l'icône, tu vois, le shield bleu, là. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est ça, en fait, qui fait... Sur la hache, elle peut casser. Attends, mais c'est qui met des dégâts comme ça, frère? Bah, c'est la Swisper, ouais. Il a eu de la chance. Fait chier, la win streak qui s'envole. Ouais. Là, il lui faut un arc. Grave, il est bien économiquement. Ouais, il lui faut un arc pour... Lucian. Ok. Il va jouer pirate, là. Il y a un monde où il y a... peut-être pour pire de mana. Ouais. Ouais, ouais. Quand il aura Irelia. Ouais, là, je sais pas trop ce qu'il va faire. Ah, c'est super sur le gant. Mais là, il lui faut juste un petit arc. En fait, il faut une veine. Si la veine 2 est vraiment bien, un arc, il est vraiment bien. Parce que regarde, tu vois, là, par exemple, il y a que des sacs à HP. Il a Diane Slayer. Là, il tue tout le monde. Là. Trop bien, ouais. Le problème, c'est qu'ils jouent tous la Swisper. Mais ils jouent tous aussi. Ils jouent tous des tanks, là. Ça rend ouf. Ouais, le vrai problème, c'est qu'il a pas Diane Slayer ici. Ouais, ouais, c'est ça. Depuis tout à l'heure, il y a que des Malphite en face. Mais clairement, il a 4 brawlers, ça existe. Je te jure, frère. Il fait Fatih. Non, en vrai, tu sais qu'elle existe encore. Non, mais. Genre pas... Ouais, mais elle existe en plate, quoi. Elle existe pas. Elle est sur le G-Doc, voilà. Oui, mais tout est sur le G-Doc. Non, mais sur la première page. Paris 2... Mais si, t'as l'air quelqu'un de la jouer, hein, premier truc. C'est un rageux. Quelqu'un a joué, écoute pas, Fatih, elle existe. Vayne, c'est parfait. Vayne 2, let's go. C'est du bien, ça. J'ai peut-être rentré Darius, ouais, à la place de Poppy. Moi, j'aurais peut-être mis un Chaco, là. Ah, ok. Écoutez, ça fume, il parlait avec un cigare. Je comprends, R il va trop vite, hein, je te cache pas qu'ils ont pas le temps. Hein. Il a jamais qu'à l'autre. En fait, il a enlevé Poppy parce qu'il avait Vanguard avec Poppy, mais tout le monde a des derniers souffles en fait. Donc, il a déjà Vanguard avec Jace. Ouais, initiateur. Il y a Jace en bas à gauche. Ah oui, c'est vrai. Ok, lui, par contre, lui il a joué Mecha, il a dû toucher comme l'autre tout à l'heure. Après, c'est bien parce qu'il a la Swisper, c'est. Ouais, là il fait. C'est surtout Jane Slayer qui compte là. Ouais, bah oui, parce qu'il a beaucoup d'HP, il a beaucoup d'HP. En fait, il a Jane Slayer. Après, ça va lui, c'est un mecha, vas-y. C'est un mecha très sympa en face là. Deux gold en plus, merci. Merci pour l'écho à Dastra. C'est la famille de toute façon. Ouais. Le frère turc. AlphaGo. AlphaGo, par contre, j'aimerais bien qu'il perde cette game là. Parce que. Nice, voilà. Il fallait juste demander. Hop. Win streak cassé. Aussi, serait très bien qu'il soit fit. C'est le meilleur. Spatule, il y a une Irelia avec. Ok, l'Irelia, c'est rien. Il faut la vaille. Vaille, okay. Spat ou. Il l'aura jamais. La spatule, elle dégage. Je spat ou pas le mec. La vaille, ça m'étonnerait qu'il l'ait. Hein. Tu penses. L'arc, allez. Espérez pas trop, les amis. La BF. Elle est dehors. Ouais. Il y a pas grand chose là. Le gant, en fait, le gant, j'ai pas vu le gant. En fait, ça peut lui faire Jace 2 rapidement avec double gant ou avec Shroud, c'est pas mal. Oui, Yeu. Yeu, je sais pas si c'est bien. Si, c'est bien. Mais après, s'il fait Yeu, il peut pas avoir Giant Slayer. Donc, ouais, non, mais là, il a Jace 3 de toute façon, ça monte Jace 3, donc je pense qu'il va. Jace 2. Oui, pardon, je me trouve à chez moi. Après, le Jace 3, il peut ne rien mettre dessus et attendre. Hein. Ouais, parce que là, il va dans 2 rounds, il y a PVE donc. Ouais, il est bien en vrai. Mais ce que je dis, moi, c'est que s'il fait Yeu après. Ça se trouve, il va jamais toucher Giants d'ailleurs, et j'ai l'impression que c'est obligé. De toute façon, là, il y a Jace 2, donc il n'y a pas de débat. Mais Mandatory. Jamais, tu. Regarde, il n'y a que des trucs. Il n'y a que des trucs comme ça. Bah oui, c'est ça, voilà. Et ouais. Écoutez-moi, les gars. Oh là là, le linceul, c'est gay. Shroud. Asplanade. Shroud dans tout le monde. Ça peut trop changer des fights. Après, lui contre lui, il est bien, parce que Yonick. Ouais, là, Leona, elle tank trop, et elle met Yonick sur tout le monde. Derrière ça snipe au calme. Le snipe. C'est quand qu'on snipe nous? C'est maintenant. Bang! Relève-toi, bang! Attends, mais c'est broken Yonick sur Jarvan. Panda c'est bien qu'il soit dans la merde comme ça. Parce qu'il avait fait top 8 première game. Ça veut dire lui, il faut l'enterrer lui. Ouais. Lui, il faut l'enterrer, c'est bien ce qui se passe. Il se rend que c'est parfait. Il y a eu H. Et bah, il n'y a plus H. Non, H, tu la rentres pas en vrai. Ouais, vu qu'il a. Là, il a chrono, chaîne, quête 2 en plus. Faut juste pas qu'il refasse la même erreur avec le ping et. Ouais. Il regarde un peu partout. Il analyse il beaucoup tout de avec ses yeux trop vite. Ouais, en fait, il essaie de voir où est-ce qu'il peut shroud, s'il y a des blitz, etc. Ouais, il y a des zéphirs.
Il va encore faire la même erreur. Je pense que c'est pas la même erreur. Tu vois là, oublie pas. Ok, non, c'est bon. Et tu vois, du coup, il a, attends, il a bien personne snipe. Personne était à gauche, du coup, il a mis à droite et... Ah ouais, il a contre Shroud, low Shroud. Bien joué, gamin. Ok, le Nocturne, ouais, le Nocturne qui s'est heal, ça dégoûte. Le Malphite, il a tellement d'HP, wesh. What the fuck? Frère, faut arrêter de nous terroriser avec Malphite à chaque fois, j'en peux plus, moi. Elle a mis un ulti, Caitlyn, il a pas voilà, peu importe le jeu, on devient fou, là, avec Malphite. Tout le temps, il y a Malphite, frère, tout le temps. Il a déjà 6 prototypes parce qu'il a eu des spats, c'est abusé, ça. Il a eu 2 spots. Il est vraiment bien le mec en face, ouais. Ah ouais, putain. Attends, il a 2 spots prot ? Ouais, ouais. 2 spots Battlecast, ouais. Ouais, pardon. Ok, yeah, Lucian. Ouais, il faut vraiment une arc, là. Hein. Un arc. Il faut vraiment un arc, ouais, un arc. Désolé. La galaxie où t'as beaucoup d'items. Donc là, il a 100. Bah, il a 100. Putain, fuck les cailloux, fuck les cailloux, je déteste les cailloux. Allez, mon gars. Allez, un arc. On veut un arc, un arc, un arc. Nice. Ok. Arrête de nous spoil, stop. Mais frère, oui, ouais, tellement. Frère, arrête de nous spoil, mon frère. Arrête de nous spoil. Attends une seconde avant de dire nice. Ta mère, je peux pas. Appuie sur pause, non. Appuie sur pause et relance. Mais non, mais c'est, on est sur Twitch, c'est con, quoi. Ok, non, mais je savais plus. Ça il est trop bête. Attends, là, il peut faire un bon item pour Irelia ou pas derrière. Il y a Oj. Il y a pas trop. Non, ok. Il va peut-être faire un Solari. Ouais, il veut Solari et truc. Comment t'appelles ça? Le calice. Et Spat infiltrateur, c'est quoi? C'est spatule et quoi? C'est spatule et arc. Okay. Arc. Ah ouais, fait chier. Ok. Après, il a pas Irelia, donc tant qu'il a pas Irelia, tu t'en fous un peu. Ouais, ouais, non, juste c'était pour prévoir le futur. Ouais, qu'il est ça, Spat. Là, le Genslayer, il change tout. Hein. Ouais, ouais. Tu vois que là, la veine, ouais, elle met des Mog, là, qui elle met des, ça, elle met des tartes, là, elle met des tartes. En plus, elle fait trop mal à Léona avec son Yonic. Hein. Elle a tellement tank, wesh. Ouais. Elle a 929 de dégâts, mais. Après, c'est, insane, c'est un perso qui met juste des autos toutes basiques, quoi. Son but, c'est vraiment juste de tanker. Ouais. Oh. Oh, bordel. Oh, nice. Ça va rien, de toute façon. Après, il est déjà 2, donc ouais. En fait, comme il va le jeter pour Echo. Ouais. J'ai le droit de dire nice quand même, j'ai le droit de dire nice. T'as raison. Ils sont strong, hein, en vrai. Ah ouais, j'ai le droit de dire nice. C'est la galaxie aussi. Hein. Alors, ouais, niveau HP, il y a quoi? Il y a Mismatch Sox qui est dans les derniers, ça c'est super bon. Adastra Panda aussi dans les derniers, c'est super bon parce que c'est les deux. Eux, ils ont 0 points, donc faut que ça continue ainsi. Et puis Didas, il snowballait toute la game là et il a perdu Vlala HP. Il était premier depuis tout à l'heure. Genre, ouais, c'est vrai. Il a le Shroud, il est parfait. En plus, s'il y avait Blitz, il aurait hook sinon. Oh, voilà. la veine, allez, tape, Mouka, roulade. Oui, double lift, tape, roulade. Oh, les mécaniques, c'est incroyable. Mais ouais, John Slayer, t'as vu la Léona, ce qu'elle a pris? Il y a une veine en face. Mais lui, il aime trop faire notre compo, lui, il aime trop faire. Voilà, AlphaGo, dégage! Dégage! Il fait gagner vraiment, c'est le parfait, là. Il aime trop faire notre compo, laisse-nous tranquille, frère! Sortez-le, lui, sortez-le, on récupère tous les persos, c'est game, c'est fini. Oh putain de merde! Oh, il a pas ça tout à l'heure, frère, voilà! C'est vrai que s'il avait eu ça tout à l'heure, oh là là. Il est déjà fou là. Le jeu il fait que le narguer. Il fait que le mécas, monde. Je te jure, il est en mode. 3 Timo, 3 Lucien. Oh, salut. Ça va, grosse tête? Tu viens de la game d'avant? Tu dates, gros. Ah, c'est un gamin le jeu. Ça aurait pu être 3 Irelia, ça aurait été incroyable. Oui, c'est vrai que ça aurait pu être ça, mais bon. Elle l'est pas. Avec des si, on refait le monde. Et on coupe du bois aussi. Si, vas-y, let's go, Juanzi. Attends, lui, il a fait 2 fois top 1. Hein. En vrai, lui, faut qu'il gagne, lui, hein, mais pas contre nous. Faut qu'il recule. Par contre, Léona, c'est trop fort contre le mecha, là, du coup. Faut qu'il gagne contre nous. Bah, pas contre nous, mais faut qu'il gagne la game, quoi, ou top 2. Tempo trop de... Ouais, vraiment de ouf. Ouah, il s'est fait exterminer. Après, il y a Lucian, mon frère. Hein. Lucian, mon frère. Allez. Mais vas-y, Rumble, c'est quoi ce perso? Oh, Darius? Non, c'est mort. Non, c'est oublié, arrête de rêver. C'est pas grave. Allez, une petite loose, une petite défaite. Non, mais Juanzi, lui, s'il fait top 1, sympa, moi. Ou top 2, ça me va. Ouais. Parce que lui, il a trop de points, lui, frère. Ah, ça a commencé le fou. Fort, Juanzi. Attack speed ou BF, s'il y a. Attack speed pour préparer ce pat. Il n'y a pas d'attack speed, ok. Ouais, il faut BF, il faut. Un gant. Ouais, gant. Gant pour Hush, c'est pas mal. Ouais, gant. Même le très. Oui, c'est ceinture pour un Zephyr en plus, c'est pas mal aussi. Ouais, et truc d'RM au pire. Pour avoir Crow. Sinon, blue buff, je pense. Okay. Blue buff Echo, hein. Blue buff, red buff. Bah, y a pas le choix, il en a fait. Pas le choix. En fait, quand t'es trop fort, on te laisse pas le choix.
C'est pas le même level que le lobby 1. Je sais pas, j'ai pas vu le lobby non, 1, les gars. Tu donc, sens une diff quand même. Genre, y a que les joueurs pro qui pourront vous dire. Moi, je pourrais pas vous dire. Ok, Rélia. Trop spoil, espèce. Ah, mais désolé, les frères, voilà, mais je peux pas, wesh. Ok, t'entends pas que c'est des bonnes nouvelles, on t'entend. Ouais, c'est pas. Ça. Par contre, si c'est une mauvaise nouvelle, je dis rien, frère. Je dis rien. Tu peux le faire, ça. Il va lâcher un putain dans 10 minutes, vous allez rien faire. Lui, il a déjà 6 cyber, AlphaGo. Après, c'est pas après je crois pas qu'il soit strong avec ses 6 cyber. Ouais, c'est des 6 cyber vite fait, quoi. Voilà. Des cyber sympas. Ah ok, non, un mec, j'ai vu. J'ai vu, il y a un mec, il a 50 persos niveau 3, tu le vois ou pas? Non, non, c'est très sympa, hein. Il a Jinx. Non, j'ai cru que c'était Jinx, frère. Il y a un mec, il a 18 persos level 3, là, avec des malfits ouais, et tout. Compo, c'est le Battlecast, non? Ok. J'ai pas vu. Faut, je crois, de une Orest, ou un truc comme ça. J'aurais raison des régions maintenant, les compos. C'est ça, Darius. Dunk, mon frère. Oh, dommage, il a. LeBron James! Yes! Le frère. Oh non, le stun sur la Vayne. Vas-y, non, non. Frère. C'est abusé, c'est la c'est chance, haut, c'est abusé. Pour Kate et tout. Ok pour les autres. Ça va, ça reste ok. Ouais. Il a 50 gold. Il va slow push. Ok. Va falloir attendre le PVE. Ouais, là, s'il a une statue, s'il a une spat, c'est incroyable. S'il a un arc, c'est incroyable. Il peut, hein. Les spats, c'est facile à avoir dans les trucs comme ça. Dans les corbins ? Dans les galaxies, dans cette galaxie. Okay, ouais, okay. Dans cette galaxie. Arrête, tout est facile à avoir dans cette galaxie. Oui, aussi, ouais. Tu peux avoir tous les items, enfin, juste t'as plus de chance, quoi. Mais... Ah, t'as placé ou pas ? Là, il est contre le top 1, Brand, son linceul, il est incroyable, là. Ouais, son shroud, il est bien, mais... Là, je pense après, là, il y a Giant Slayer, là, mon frère. Hein. Regarde, ouais, le Malphite, il se fait exterminer. Le Malphite, il se fait one shot. Le mec, il tape tout le monde, en fait. Il a 6 battlecast à ce stade, c'est trop fort. C'est lui qui a tous les level 3, là. Ouais, comment ça. Il a fait? Il a 50 gold, mais il a créé des gold là, ouais, c'est pas possible, frère. Le problème, c'est que là, il y a deux mecs super bien dans la game. Après, il a affronté le plus fort, je pense. Là, après, c'est bien parce que ça veut dire qu'il va mettre des moins 20 à tout le monde, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais mais bon, j'aimerais bien qu'on lui mette un moins 20, nous aussi. Il a 6 cyborg là, non? Non, il double. Ouais, il peut rentrer 6 s'il veut, mais. Ouais, mais est-ce que c'est. Est-ce rentable? Le prochain level, mais il vend déjà les trucs qui va. Ah, je pense qu'il va level up prochain. Ah bah après. Il y a moyen, c'est sûr. Après le PVE, c'est sûr. Allez. Ah, du doré. Du doré. Un arc doré, doré. Non, des gold. Un arc. Double gant. Voilà, blue buff. Il a double gant. La Zephyr. Wesh, le. Il la roll tellement vite, frère. Ah, je crois qu'il la roll deux fois. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ouais, il a pris deux fois. Rien, frère. Bah j'ai pas vu en vrai. Oh, il y a deux. Ouais, il va être double gant. Hop. Mais ouais, il va être double gant. Et il va faire ça. Là, il faut écho là, quoi. Oh, Irelia. Ouais, il considère pas Irelia. Ah ouais. Si, il considère. On sait jamais, tu vois. Et si, ouais. Qu'est-ce cyber. Il a été tellement rapide. Ouais, ça va trop vite, frère. Je suis ébahi. Comment il peut calculer tout ça, frère? Okay. Avec du ping. Oh, PV, très céleste. Ah, mais il a pas rentré H, ok. Ah, il faut qu'il rentre H. Ah, et ouais. La Célestial. Ok, la Vayne. Là, allez. Il est vraiment strong, hein, putain. Ok, let's go, toi tu dégages. Ouais, tu as mis dans sa merde. Ah, Chrono de Ferra d'Astra, moins 17 HP. Il a fait une vraie transition. Ouais, ouais, trop ça va trop vite. Ta 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 ta. Mais en fait, le truc, c'est ce qui est impressionnant, c'est pas comme si c'était sur LoL et c'est des mécaniques de fou. C'est que c'est en fait, c'est des décisions importantes à chaque fois, genre. Il sait qu'il doit rentrer lui, du coup il doit vendre lui, pendant que ça il roll, et après il rentre un autre mec. Attends. Oh, Irelia ? The Dream ? Non, y'a un mec qui l'a... Ah non, okay. Joué, tu vois. Ah c'est vrai, il est parti vérifier. Tout est calculé, mon frère. Là, qu'est-ce qu'il faut exactement pour la suite, là ? Echo, ouais. Echo. Donc il rentre pas à H encore ? Il veut pas slam ses items ? Bah il a pas chrono à côté avec. Ah ouais, c'est vrai. Ok, Zephyr c'est bien, et il attend un blue buff pour... Pour Echo. Ouais, pour Echo, du coup, il peut le mettre sur Darius, ouais, il va sauter. Zephyr. Tant que ça va pas Zephyr Vayne. Ça va pas Zephyr Vayne, on s'en fout du Lucian. Elle tank tellement. Allez, la Vayne, allez, tape. Tape. Let's go. C'est fini. Iria, pendant ce temps, Iria, elle a l'âme funeste, donc elle a stack de ouf. 225 d'AD. Ok, c'est bon, c'est fini, c'est win. Dehors. Let's go, AlphaGo, arrache-toi. Il a tellement clean up, AlphaGo. Ouais, il a clean up de fou. Ok, il y a déjà deux mecs qui sont morts. Miss Matchstock, c'est mort. Adastra est mort, c'est parfait. Si Cupidas, il meurt aussi, c'est bien. Ça va rééquilibrer la game.
Là, s'il faut qu'ils perdent en plus. Moi, c'était moi, j'aurais acheté le GP juste pour deny les mecs qui vont faire des GP bizarres là. Ouais, mais il y en a pas, je crois. En fait, okay. Le problème de GP, c'est que tu l'achètes. Ça coûte trop cher. Non, en fait, ah ouais, en plus, ils te proposent des améliorations. Des améliorations, t'en veux pas du tout, tu deviens fou. Du coup, ça te nique des items. Hein. Par contre, il lui faut un trèche là. Depuis tout à l'heure, il a pas de trèche. Il a mis Riven. Riven, c'est comment? Après, c'est juste pour attendre. Okay. Chrono et mettre des lames, en fait. Ouais, mais est-ce que ça fait. Il peut faire un truc, le perso, ou pas du tout? Il peut replacer le Zephyr. Bah, le perso, ça va avec le blue buff. Il casse beaucoup, tu vois. Des dégâts. Ouais, okay. Du coup, il peut aller chercher la backline avec ça. Ok, non, je voulais juste savoir parce que j'ai jamais vu le perso. Mais sa mère, là, il le sort. Ouais, il est dehors, Panda. Il a combien là? Il y a tous ses persos en vie, là, frère. Panda, il a 25. Moins. 16, ok. Si, les experts TFT. Et Cupiditas hein. Non, mais on disait comme je ça. Je sais, je regarde. Cupiditas, c'est dehors. Cupiditas, nice. C'est dehors. Ça fait une place de plus. Panda, Cupiditas, il va sortir. Ok, on est bien. Attention, il y a quoi au carousel? Il y a Echo. Ah ouais, Echo. Ah, et c'est quoi, c'est Echo quoi ça? Darkstar. Darkstar, ah ouais, ça pue. Veut pas vraiment. Après, ouais, le problème, le mec, il va le prendre. Il y a Ye aussi, non? Ye, ouais, j'avoue. Mais je crois que ça fait 22. Ouais, ça fait 22, mais après il peut la vendre. Ouais, il peut la vendre, il va pas jouer Vayne 3 quoi. Ah non, c'est bon, il a pas Vayne 2. Oh là, IE Vayne, elle va faire trop mal, vas-y, double. C'est un double 6-1. Si, il a mis Vayne. J'ai vu qu'il avait double gore. Là, faut qu'il aille chercher. Les gars, faut qu'il aille chercher minimum top 3 là. Minimum top 3 et on mange. Allez. Allez, gamin. Pas le mieux, mon pote. Ah, il veut trash, il veut Echo surtout. Parce que là, il y a une Riven qui sert à rien quoi. Ouais, c'est Lucien aussi. Ouais, Lucien aussi. Il est où Lucien? Il est en bas. Il est avec Solary juste en bas. Il est avec Solary, ça me dégoûte. T'as la ref. Panda. Attention, je crois. Prends que tu stresses ma team, mais. Laisse-nous tranquille, s'il te plaît. Oh, le linceul! Le shroud est parfait, le linceul est sur partout. Le mec en face, c'est vraiment bien. Ouais. Ah, c'est le mec avec les protos, là, le mec trop fort. Après, vas-y, la Vayne, faut qu'elle fasse 2-3 kills, au moins, il a pu RDHP. La Vayne, elle est safe, là. Elle tank de ouf, en fait, tu vois. Là, Léon... Elle est full dodge. Ouais. Ah, il rend ouf, le Nocturne, frère, il rend ouf. Non. Ça, c'est les Yordles à l'ancienne, quoi. C'est les Xayah dans l'ancienne. Rien à voir. Mais non, mais parce que comment il fait quand ça se fait que le Nocturne, il dodge tout, en fait. C'est quoi son... En fait, c'est pas qu'il dodge, je crois que c'est juste full regen. Il y a écrit esquive à chaque fois. Bah, il avait des items alors. J'ai pas vu. Même tout à l'heure, ça avait full esquive. Ah, c'est Graves, ok. Ah, c'est Graves qui a mis la smoke screen. Ouais. Ouais. Du coup, comme il a Graves 3, je crois le mec. Même le combat tout à l'heure, en fait, Nocturne, il devait mourir. Il prenait une auto, il était mort, et à chaque fois, il se save avec ça. Chiant quoi. Dommage qu'il l'ait. Panda, faut qu'il sorte là. Panda, faut qu'il dégage. Après, le problème, c'est que tout le monde est stack avec 33 HP. Mais lui, il bat AlphaGo. Est-ce qu'il va le battre là? Le Venom. AlphaGo. L'Irelia en face, elle fait peur. Ouais. Il a Zephyr Lucian, on s'en fout un peu, je pense. Après, sa Vayne, elle a. Oh. L'Irelia est morte en face. Ah, mais la Vayne, elle est en train de faire un carnage. Oh non, la Vayne a tué notre Vayne. Oulala, ça va faire beaucoup d'HP ça. 15 HP, je pense. Ouais, c'est pas. Panda, faut qu'il sorte. Putain, il meurt pas. Non. En plus, le PVE, ça peut vraiment changer le comeback potentiellement, le mec, enfin Panda. Fait chier. Pas bon, là. GA. Et la Irelia, elle a une IE, là. Il y a des vrais items, par contre. Hein. Rabat... Oh. Oh, putain. Il faut Echo, là. Est déjà stoffée, ouais. Il faut vraiment Echo, là. Que le rabat Echo, il trash, là. S'il les a, ça change toute la game. Ouais. Parce qu'en plus, il y a Urgot, il a Urgot sur le bench, donc il peut rentrer des Urgot. Il y aura les gold pour passer. Non, il y aura pas les gold. Hein. Il va lui manquer deux. Après, ça donne des gold, ça. Non. Oublie lui. Si, ça donne des gold aussi, Ken. Ah, pas quand il a 3 items. Moi, 3 items. Sur la rue, wesh. Allez, s'il te plaît. Je pense pas qu'il va push. Je pense qu'il va roll. Ouais, je pense aussi. Pas le choix, en fait. Ok. Echo, let's go. Ok. Fresh. Fresh. Il reste 7 secondes. Ok, lui, c'est deux items, c'est deux persos là. Et double shroud sur Irelia et. Ça peut mettre bien. Ok. Ah non, H du coup, ouais. Faut que lui il le sorte.
et qu'en face il y a un carnage. Ça. Elle est okay, ça a l'air d'être de bien passé. La veine est safe. Oh, la veine s'est faite one shot. Il a fait rentrer un autre écho. Ouais, mais c'est mort là. Je crois qu'il va se faire sortir là. Petite clean-up. Top 5. Non, il va se faire sortir. Top 5. Aïe. Y'a personne qui a pris une. Carte. Non. Non, parce que les autres ils avaient 25 HP minimum dans tous les cas. Ah putain, c'est ouais, tu vois, le Slooper il a pris une tarte, je crois, parce qu'elle est 30, mais. Putain. Attends, parce que là, il va falloir compter, parce que maintenant, après ça, il reste deux games. Ouais. Là, là, il va falloir clutch. Top 5, c'est combien de points? 4 points. 4 points, ouais. Ça passe à 11 points. Ça fait top 4, top 5, top 7, top 5. Il va falloir chercher un top 1, là, hein, après. Hein. On va voir chercher un top 1. Ouais, là, il faut un top 1 ou top 2, là. C'est dur. Par contre, c'est trop dur. Ils sont trop forts, wesh. J'ai l'impression qu'il y a toujours un mec, il est trop bien, mais vraiment trop bien. C'est... Et quand tu l'affrontes, tu perds 20 HP. Et après, c'est... Parce qu'il était premier jusqu'à ce qu'il affronte le mec avec les 6 protos. Ouais, Battlecast, c'était... Ouais. C'était fini. What the fuck. Ouais, le combat, il s'est joué à rien du tout. T'as un panda, il a perdu le round d'après. Non, c'est pas fini, les gars. C'est quoi le classement général? On attend la fin de la game et après on verra. Parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible de voir. C'est juste qu'il a 11 points à double avec sa troisième game. Ouais. Il y a déjà des mecs qui ont déjà plus de 11 points avec les deux games, quoi. Le prototype, ça a l'air incroyable. Après, comment si snowball et trucs. Mais lui, il a eu vraiment trop de chance, le mec qui joue prototype. Lui aussi, il a tous les trucs du jeu, wesh. Il a tout rendoré, frère. Après, bon, il y a vaisseau, mercenaire et démolisseur avec Mecha. Incroyable le jeu, il est. Ouais, non, mais là, les deux prochaines games, il faut des top 3 là. Ouais. Et là, c'est déjà que cette game, c'était chaud de faire en dessous de top 4. Bah, c'est ça en fait. Après, ça va, il a top 5, il a pas top 6, du coup, ça lui laisse une chance encore de se qualifier. Mais là, il faut. Il faut aller chercher un. En fait, déjà, Juanji, il faut qu'il tape un comme ça, et voilà, déjà, lui, c'est ouais, goal, ouais, lui, dans tous les cas, lui, il est calife, lui, c'est sûr. Il a fait deux top 1, là, il est minimum top 2. C'est ça. Si... Le problème, c'est qu'en fait, c'est AlphaGo. AlphaGo, s'il faisait un mauvais top, ça aurait été pas mal. En fait, du coup, ça va faire deux mecs super bien. 7-15. Il est bien. C'est qui le deuxième mec qui est bien? Bah là ça va être AlphaGo je pense. Ah, bah, de base c'était Cupiditas mais ouais, c'est pas un mauvais top. Non mais non, Cupiditas c'était pas super bien. Hein. Mais il était bien. Il était deuxième. Ouais mais la première game il a fait top 5. Ouais top 5. AlphaGo il a fait, du coup il a fait deux top 2 minimum et un top 8. Ouais. Ouais putain. Pas fini hein, c'est loin d'être fini. Ça va être... Tout ce que je peux vous dire c'est que ça va être close de ouf. Ouais c'est encore stack en fait. Ça va être close de ouf. C'est loin d'être fini, comme c'est loin de se qualifier. Ça va jouer avec le top 4 en fait. Ouais c'est ça, ça va, genre il va... Top 4 ça va être chaud de ouf. Il va devoir gratter la dernière place de qualif là. Ouais là il y a une place qui est impossible à rattraper. Et... Ouais. Mais c'est mieux ça que la... Après bon, tu sais, Juanzi peut, c'est comme vous le savez, hein, Juanzi peut faire top 8, top 8 et double top 1 et être premier, mais bon c'est... Ouais. Là on est dans un monde quoi. AlphaGo qui gagne. Ça change rien, mais c'est mieux que Juanji top 1 en vrai. Ouais. Non, Juanji top 1, c'est... ça nous met bien. Ah, ça nous met pas. Ça change que d'un point, mais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pas. C'est... Parce que je pense que ça va jouer. Ça peut se jouer ça un. Ça va point. Se jouer un ou deux points, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Personne s'en va à part Juanji là. Allez, les mecs. La game, elle allait jusqu'à loin. GP double amélioration, infiltrateur. C'est bien, GP infiltrateur. En fait, il va taper super vite pour vite stack sa mana. C'est pas ouf, mais là, comme il a 4 infiltrateurs, il tape de ouf. Ouais. Pour il va vite pouvoir cast. Ok. Regarde là, il va taper. Ah là, il est à 10 armes, mais ouais. Il a pas joué. Là, c'est bon, il joue. Trick. Là, ils lui ont enlevé la mana. Il a juste ulti, c'est bon. Let's go. Yes, c'est bien joué ça, Juanzi. C'est tant mieux. Il est vraiment fort, Juanzi, frère. Il a fait 3 top 1 d'affilée là. Bon là il est en train de rouler sur le tournoi. 3 top 1 d'affilée, attendez.
Je vais aller regarder le bracket. Il est pas à jour. Je suis en train de F5. Ouais, ouais, ouais. Ça devrait être à jour bientôt, là. Hop là. Vas-y, les gars. Ça va le faire, ça va le faire. Faut juste avoir confiance. Il reste deux games. Deux petits tops, hein, au calme. Ça fait 16 points, c'est terminé, hein. Ok. Je regarde le bracket, j'essaie de voir. Là, ça fait top 4, top 7, top 5. Du coup, Juanzi va passer à 24 points. Ouais. Juanzi va passer à 24 points. Compliqué, compliqué, attendez. En gros, le deuxième, Quiditas, comme j'ai dit, il a fait un mauvais top. Donc ouais. Voilà, il se prend envolé. AlphaGo, AlphaGo, il se remet bien de ouf. Il se met à 15 points, je crois. Ouais, ouais. C'est ça. Mismatch Sox, il descend en dessous double, je crois. Non, quoique, il a 3 points d'avance quand même. C'est énorme, 3 points. Ouais, là, ça va être stack de ouf. Ça va être stack de ouf. On attend les calculs, c'est trop compliqué, frère. 11, ouais, c'est ça, 11-12 points, ouais, c'est... Ouais, ouais, là, c'est vraiment close, les gars. Ça, ça va jouer avec les top 4, ça va se jouer à rien du tout, mais vas-y, ça va le faire. Faut avoir confiance, les gars, tranquille. Il reste deux games entières. T'inquiète, il reste deux games entières. Mais c'est pas comme s'il est au fond non plus, tu vois, genre, il est derrière, mais pas au fond. Ouais. Mmh. C'est ok. Par contre, Adastra, je crois, lui, il est vraiment au fond. Mon pote le culture. Bah lui c'est Adastra, fini, lui Adastra c'est out, il a fait top 7, 8. Top 6, top 8. Voilà, lui il est dans une... Merci de la participation. Il a fait Adastra, triple top 1 la... quand même, Juanzi. C'est okay, la lousada, frère. Mais c'est vraiment tant mieux hein, qu'il ait fait triple top 1, hein, ouais, sinon... C'est bien d'avoir un mec en fait de surqualifié. Ouais. Comme ça t'es tranquille. Point d'exclamation world si vous voulez le bracket. Ça va être mis à jour. Volta lui il a fait quoi? Il a fait 1, 4, 2, 6, 1. Ok, ça c'est game ça. Et attends, le quatrième, il a fait sixième, huitième, top 1, top 1, top 4. Regarde, t'as un mec qui l'a fait sixième, huitième, après il a fait un top 1 et deux top 2. Ouais, quand même, il faut... Ouais, sur les derniers games, il va falloir chercher du top 1, top 2. Hein. Il va falloir aller chercher du top 1, top 2 de fou malade. Il va falloir que ça tourne en notre faveur. Hop là. T'es mal à Kishta, ça va le faire les gars, ça va le faire. Dites-moi quand ça lance s'il vous plaît les gars. Vas-y. Même sur le live. Je voulais juste voir si le bracket il allait être actualisé ou pas. Ok, tu es en train de perma F5. Là, je suis en train de faire que ça. Les quantièmes là maintenant. Bah là, avant la troisième game, il était sixième. Dans le classement général, mais tout le monde se suit d'un point. Donc en une game, tout peut changer quoi. Nous met la pression. Non, mais c'est le suspense, c'est un showman double. C'est un showman. Ok. Il veut nous faire comme ça. Je sais pas si. Il y a eu une pause tout à l'heure où ça s'est enchaîné en perma le chat. Je demande au chat, c'est sûr, ils ont vu. Ou est-ce que, genre, au bout de 3 games, il y a eu une pause et tout? On y croit, les mecs. Pause 5 minutes. Double. Oh, bien vu. Pause de 5 minutes. Ok, pause après 3 games. Ok, c'est bien ce que je me disais. Petite pause de 5 minutes. Ramène-lui du jus d'orange, shooter, frère. Tu penses? Du jus d'orange. Ouvre la fenêtre, mets-lui un peu d'air. Fais-lui un massage. Je crois qu'il l'est dérangé, frère. Non, en vrai, laisse-le tranquille. Si le top 3 plus, ça sert à rien de jouer la dernière. Bah non, ça sert faire toujours. Parce que là le truc, il est stack de ouf. Du coup, Ah, ok, ça s'est mis à jour. Alors, attendez, bah je vais vous montrer directement. Oh, il a pas changé de place en fait. C'est vraiment stack de ouf. Non, mais c'est stack. C'est ça. Mais c'est beaucoup plus simple qu'autre chose en fait. Alors, regardez. Du coup, là, on a Juanzi premier. Top, top 1, 24 points. Lui, il est loin devant. Lui, c'est mort. Après, il passe deuxième. Hein. Là, on a 15, 14, 12, 11. Top 1, c'est 8 points. Donc, il suffit qu'un top. Lui, fait top 1, plus 8. Il passe à 19. Absolument des bonnes games. Ouais. Voilà, c'est mort là, c'est fini les top 4 et tout là, c'est top 3 minimum. Hein. C'est ouais, top 3 minimum. Il faut espérer que les autres là, AlphaGo, Slooper et Quiditas, ils flopent. Surtout Slooper parce qu'il a fait deux top 3 d'affilée là, il doit bien se sentir. Mismatch Sox, lui aussi il peut comeback. Ouais, c'est comebackable là. Il reste deux games, il y a 16 points à aller chercher, il faut aller chercher le maximum de points.
Il y a game. Non, là, il y a moyen. Là, il y a moyen. Top 1, c'est mort parce que 24 points, vas-y. Mais comme je vous ai dit, sur ce jeu, il n'y a pas de seed. Ce qui va se passer, c'est que ça va être les 4 ici contre les 4 ici. C'est simple, il n'y a pas de... Ah ouais, Volta, il a fait top 1, du coup, il est mieux. Non, c'est juste, c'est vraiment que pour la confiance, quoi. C'est vraiment que pour la confiance. Il n'y a pas de seed, il n'y a pas de... Tu t'en fous, en fait. Merci, Seven Banks, pour les 3 mois. Ça va être du 4v4 entre la poule A contre la poule B. Et voilà. One This Smurf de fou baiser. Ah ouais, franchement, faire 3 top 1 d'affilée comme ça, t'as l'impression que c'est facile pour lui. Une grosse game pirate et tout. Grosse game pirate, il est parti de sa chaise. Quel rêve. Vas-y, hop là. Moi j'attends, j'espère qu'il prend pas trop la pression. J'espère qu'il sait qu'il peut come back. 25 points la qualif, faut 2 top 2. Pas forcément 25 points, hein. C'est 25 points dans, dans l'autre pool. Mais est-ce que dans l'autre pool, il y a un mec qui a fait 3 top 1 d'affilée, tu vois. Ça varie en fonction de plein de choses, quoi. Le troisième, il faisait que 3-3-3, 4-3. Ouais, ouais, ouais. Je pense 2 top 3. Non, mais de toute façon, là, va falloir, dans tous les cas, va falloir une grosse, grosse game. Ouais. Genki Dama, j'avoue, Dark aura déjà comeback. Tous les tournois il jouait, il faisait que comeback. Hein. Ah ouais? Moi j'avais regardé les Worlds. Au World, il a fait 2 games de merde au début et après il a comeback de ouf. C'était pas au World, je crois, c'était au Calif. Calif de World. Ok. Hop là. Il joue avec de grands darons. Non, tranquille les gars, wesh, il a 16 ans, champion d'Europe. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Faut juste espérer. Mais c'est un bon indicateur, 25 points pour la qualif. Ouais, c'est vrai que ça indique un peu ce qui se passe. Mais le mec, il m'a dit absolument, il faut 25 points pour se qualifier. C'est pas encore sûr. Ça se trouve, il va falloir moins, ça se trouve, il va falloir plus. Tranquille. En fait, là, il y a un mec qui est en train de choper tous les points de la game. Donc forcément, la moyenne de points pour monter va être plus basse. Merci Zan. Après, ça dépend s'il continue de faire des top 1, tu vois. Faut dire à double que AlphaGo joue que Cyber. Les gars, c'est le champion d'Europe. Il s'est qualifié au Worlds. Il y avait 3 places dans toute l'Europe. Je pense qu'il... En fait, il joue pas... Ouais. Il joue en fonction de ce qu'il a et de ce qu'il... Ouais, c'est ça. De ce que les autres font dans la game. Et les gars, c'est un joueur pro, quoi. Donc, tranquille. C'est un joueur pro, donc tranquillement, ça va se passer. Ok. Attendez 2 secondes. S'il y a égalité, il se passe quoi? Alors là, aucune idée. Je crois que ça se joue en fonction du nombre de top 1 ou de trucs comme ça. Ouais, je crois. Ouais, parce que c'est pas comme si tu pouvais faire une game en plus, quoi. Un truc comme ça. Top 1, top 4, c'est game. Non, en je général, pense que top 1, top 3 plutôt. Hein. Ouais. En général, c'est soit en fonction du nombre de top 1, soit c'est en fonction de la moyenne de top. Ah ouais, ok, ouais, tu fais un calcul, ok. Je vais compenser la régulière. C'est ça. Ok. C'est pas censé jouer excusé et tout. Non, aujourd'hui il y avait les Worlds. C'est un événement majeur de la structure e-sport, du coup je caste. Je leur ai dit que je pouvais jouer avec eux si ça se finissait tôt, mais là ça a pas l'air de se finir tôt. Ça va se finir vers 1h du match, je pense, donc tranquille. Le micro de côté coupe à la fin de ses phrases. Il le sait. Désolé. C'est juste pour qu'on lui répète. Désolé. C'est un idiot un peu. C'est pas sérieux côté. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Miskin, ta voix de Zongo. Là, t'es fatigué. Hein non, ça va, wesh. Ah, aujourd'hui, ça va. Hein. Ah, c'est fini déjà. Je suis un guerrier, moi. Tu crois quoi? Dieu. Bah, ouais. Comment ça? Quoi, comment ça? Ah, ouais, je suis con. T'es malade. T'avais le corona, frère. T'avais le corona sûr? T'as fait le test ou c'était... tu te sentais juste? Allez, double. Non. Merci, mon gars. Hachemaru. Tu l'avais déjà? Hachemaru. Ça va, les amis? Même nom de rein, il y a le même moyen de top. Ouais, c'est bien ce que je pensais aussi. Mais après, je sais pas, ouais. Je sais pas comment ça va se passer. C'est logique que ce soit la même moyenne.
un guerrier. Pas de Zongo. Non, ça va maintenant. Le plus dur, c'est le premier jour. Le premier jour, c'est comment? C'est une dinguerie, frère. J'ai pas fait une game de LOL. C'est pas lui, c'est juste à ça. C'est vraiment un niqué, ce mec. Ils sont en train de jouer à Civilisation, les autres. Quelle vie de rêve. Tu vas à mon guess. Si, il va à mon guess. Ou double. Civilisation, ça a l'air d'être une vie de rêve. Quoi. Hop là. Je regarde un peu ce qui se passe. Normalement, ça va pas tarder à reprendre, les gars. Ça va pas tarder à reprendre. Tout est encore jouable. Tout est encore jouable. Il va falloir aller chercher une belle, belle game. Merci Benji Gou, merci pour le sub. Merci mon gars. Double. Bon, les Chinois, ils sont vraiment forts là. Ouais. T'as pas top 2 là. Explose le tournoi, frère. Il y avait un Chinois dans la poule de Volta, il a fait ouais, top 6. Mais c'était stack hein, leur lobby aussi. Ouais, bah il avait 21 points et il fallait 25 pour se qualifier. Bah il a fait 3ème, 5ème, 6ème, 3ème, 7ème. Ça a commencé plutôt bien pour lui. Et bang bang, la dégroix. En fait, s'il faisait pas top 7 la dernière game, il était qualif. Le top 7 l'a tué à la fin. Sinon, il était régulier. S'il a de la chance, c'est win. Ouais. Après, ça va. Moi, je suis content. Ça se voit, il joue bien. Et il fait. En fait, la game double. Double gants là, il les a détruits, ça. Ouais. Ça a niqué. Les 4 gants là, pio pio. T'es plus motivé, Kamel. Motivé à quoi? J'attends juste la game là. Mais toi, Skyheart, il t'a insulté ta mère, je crois. Ah, si tu crois alors, ah, c'est... on peut te croire alors. Du coup, c'est que de la chance, c'est abusé. Non, c'est pas que de la chance. Toi, tu mets un mec qui a pas le niveau. Top 8. Après, forcément, il y a pas mal de chance quand même dans le jeu. Mais genre, quand tu joues, il y a 8 personnes du même niveau. Oui, après, forcément, il y a. Après, tu peux t'en sortir, tu vois. Genre, il y a une game, où, la première game où il fait top 4 avec ce qu'il avait, tu vois, genre, c'est vraiment, je sais pas. Merci. Merci Mamadur91, je soutiendrai double jusqu'à la fin. Si double à 100 000, tu peux dire, je suis parmi eux. Merci mon gars. La part de Luck est très faible sur 5 games. Ouais, c'est ça en fait, c'est que vu que c'est étalé sur 5 games, t'as l'opportunité de prouver ce que tu vaux. Oh non. Oh, c'est quand que ça joue. Je te jure. Une info de Doha, tu penses? Non, j'ai plus rien là. Merci Kaouf. Vu que je l'ai dit en live, il veut plus me donner d'infos. Faut que je... Ça a l'air vrai hein, ce que t'as dit la dernière fois. Hein. Bah, la preuve, regarde. Ça dit quoi? C'est moi, je l'ai annoncé en premier, hein, mais bon. Ouais. Les gens vont dire ah, ouais, non. C'est... Hein? Non. Okay. Le Valtuc gratuit en plus. C'est ça, frère. Jouer la... Regardez le drone Messi, il a dit quoi? Il a dit, c'est mort. Prends, j'ai... L'a reçu, j'ai pas payé moins cher pour le... Ah, t'as eu le resub auto, mais t'as pas... je sais pas comment ça marche. Je crois que c'est des nouveaux subs. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. À quand les feats avec Taylor One, le streamer requin, vraie question. Ils sont pas forcément accessibles. Les streamers américains, merci iTeaser, merci pour les 7 mois. Merci Dylan SLA, merci pour les 22 mois. J'aurais pas de contact là-bas, quoi. Après, ça peut être drôle. Double à quel lien avec Shooter? Et son cousin, il lui a volé tout son cerveau. C'est vrai. Lui, il dit c'est vrai, ça me termine. Ils ont dit 5 minutes, frère, ça fait 10 minutes, on travaille. C'est bon, mon frère, c'est bon, laisse se reposer. Ouais. C'est vraiment... Tu travailles tout à l'heure, frère. Moi, je stresse voilà, depuis tout à l'heure, ma jambe, elle fait que de bouger. Pareil, je suis en train de la balancer, frère. La balancer, hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Comment ça, il balance? Tes longues jambes. Je fais ça, nani. Fais comme un rat, merci pour les 9 mois, merci mon gars. Sur les streams de Riot, il y a le timer. Ah, voilà, un mec intelligent.
Ah, dans une minute, ça démarre, shooter. Ok. Moi, dans 0 seconde, hein. Enfin... Hein? Moi, je suis sur Riot Game officiel. Ah, ok. Enfin, sur Rito Game, Rito Gaming, le... Ouais, Riot français, il y a une minute encore, du coup. Après, tu sais, ils vont reprendre, ils vont discuter, ils vont dire « Ouah, la game de... Ouais, » Merci, Ethernet56, merci pour les 4 mois. Merci, mon gars. Encore le tour de l'équipe LOL, d'accord. Bah, quand il y aura des compétitions, mon pote, parce que là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Du coup, ils peuvent... Enfin, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de match, quoi. Mais dès que ça revient, on castera ça. Comme là, il va y avoir Trackmania le 13 septembre. Vous pourrez suivre notre petit crack Bren en direct. Ce sera une heure par semaine, Trackmania. Du coup, on va voir ce que ça donne. La game finale, c'est ce soir aussi. Non, c'est demain. C'est demain. Demain, vous avez droit de cast ou pas du tout? S'il passe. C'est bizarre. Merci d'Astérine. Je sais pas encore ce qui va se passer demain. Ok. Camel, s'il te plaît. Non.